Tu manges trop bien le schmilblick. Alors, il est où le trésor, le merveilleux trésor? Où est-il? Je veux l'avoir. Je veux l'avoir, je veux l'avoir. Il est là. Merci encore à Torota qui m'a parlé de la mise à jour. Donc j'ai anticipé, je l'ai faite pendant ma pause déjeuner. Sans quoi, j'aurais dû vous poireauter pendant quelques minutes. Un bon quart d'heure, hein, je crois que ça m'a pris. Et encore, je crois que j'ai moi-même bridé ma connexion pour X raisons. Enfin bon, bref, la question se pose pas. On va tout de suite revenir dans le monde merveilleux de Tamriel. Et je sais plus où j'en étais du tout. Donc, déjà, une nouvelle fois, merci à Torota qui m'a offert le jeu. Donc, j'ai découvert, voilà, le 14 juillet dernier, il y a déjà 10 jours de ça. Une journée complète de ça va être sympa. Il y a Christella, je pense que tu vas pas tarder à prendre ton antenne d'ici 1 heure, je pense, non? Comme ça, on aura chacun notre point de vue, ça sera rigolo. On va pouvoir diffuser en commun sur nos chaînes respectives. Génimax Online. Et là, il me dit, les serveurs sont pas prêts, revenez plus tard. Alors, si c'est ça. Bon, je fais un autre jeu, je dis pas lequel, mais. Attention. Ah, file d'attente. 42 secondes. On va être poli, on va attendre. Ah, oh, je me suis préparé un succulent raisin. Je vais honteusement. Alors, pas incubité. On disait incubité, vous savez, pour les Romains, quand ils sont posés sur le canapé en train de. Et en fait, c'est un truc à pas faire, parce qu'au niveau de manger, ça coince. C'est un coup à s'étouffer. On disait incubité, rien que pour ce geste. J'avais appris ça du temps des grosses têtes de Bouvard. Ça veut dire gober des grains de raisin en étant allongé, quoi. À façon romaine, on va dire. Ah, bah ça va, tranquille l'autre, ça picole. C'est beau. On est à Skyrim là, on est chez les Nordiques, si je dis pas de bêtises. Tout, 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 tout. Ah, je me demande quelle aventure folle je vais encore vivre. Avec la jolie musique. Dibidi. Voilà, c'est un cours de chargement. C'est pour ça qu'ils ont fait de si beaux écrans. C'est vrai que c'est classe de voir des tableaux. C'est. Mais 110 gigas, hein, le monstre. Et encore, 110 gigas, c'est la base. Et si effectivement on cumule les mises à jour, je veux même pas savoir. C'est monstrueux. Ah! Oui, c'était moi! Oui, je. Mais non, mais je veux. Attends, comment on fait? Je clique dessus tout bêtement. J'étais niveau 5. S'il vous plaît. Requête de chargement du personnage, oh mon dieu. J'étais à Vivec, non? Je sais plus. Ah, je m'étais arrêté aux environs de Vivec, je crois. Je m'étais téléporté dans la petite casbah, la part offerte, là, où j'avais rigolé avec Dragon Sky qui avait eu un. Excusez-moi du peu, mais vous pourrez entendre le clip, il a eu un jouissement, c'était trop drôle. C'était tendancieux. Ah là là. Bon. Après un chargement, un autre chargement, c'est merveilleux. Allez, joue. C'est peut-être même un succès, non? Vous avez vécu 10 chargements successifs. Comment ça, 10 jours restants, 5 000 couronnes? Non, mais non, mais non. Mais quittez-moi ce truc indécent, moi je veux jouer, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Attendez, qu'est-ce que je fais sur ce navire, moi? Ah oui! J'avais fini la quête à Prout-Prout. Mais oui! Mais oui, Camel Léon, pas mal.
Il y en a qui sont bien inspirés. Elle a rien d'autre à me dire, la madame? Je vais rester avec les navires. Sauver les prisonniers des esclavagistes et chercher des preuves pour impliquer le gouverneur Omélian dans cette sordide opération. Tu m'étonnes. Oui, chef. Au revoir. Comment dire? Ah! Ah! Ça va, il y en a plein qui... Il y a du monde qui se la pète, c'est la folie. Alors, libérer les recherchements... Attends, je vais relire mes instructions parce que je vais faire n'importe quoi, moi. Ah! Oh mon dieu, j'ai des choses sur moi. Potion de triple restauration couronne. Oh, j'ai dimanche. J'ai du dopage. Oh là là. Et comment je fais pour avoir mon journal de quête? Ça le quitte par là. Journal. Courir des esclaves, il y en a 4, et chercher des preuves. Alors, franchir le brouillard. Quelqu'un a éteint le phare, blablabla, provoquant un naufrage, oui, à Seiya de Nain. Le gouverneur adjoint, monsieur Sally, soupçonne des esclavagistes et m'a demandé de mener l'enquête. Un signal de détresse tiré depuis l'île de Bullfallen indique qu'il s'est passé quelque chose. Je dois me rendre sur cette île, secourir les prisonniers et trouver des preuves de l'implication du gouverneur Omélian. L'île, elle est où? Ils ont fait flamber un truc. Le signal est quelque part par là. Où, comment, quoi, qu'est-ce? Je ne sais plus, je suis perdu. Vite, ma carte. Je peux lire la carte, non? Attendez. Il faut que je prenne mes repères, moi. La carte, elle est là. Alors, l'île de... Elle est où, l'île de... Là, il y a une île. Oh, il y a des îles un peu partout. Hein, c'est un archipel. Ça, c'est Vivec. Chercher des preuves. Ah, je suis pas trop loin des preuves. Vite, ma boussole. Faut toujours regarder la boussole en haut. Sinon, t'es complètement largué, on peut le dire. Ah, c'est sur le navire qu'il faut trouver les preuves? Non, vous êtes sérieux? Ah, mon dieu, faut aller naviguer. Ben, naviguons. Je suis temporairement capitaine de ce navire. C'est un grand honneur pour moi. Moi qui suis toujours resté mousse. L'île de la Falaine embrasée. Merde, ça y est, j'ai déjà une démangeaison à l'œil. C'est pas bien, j'ai l'œil qui s'assèche. Ah, alors. C'est un gros boxon. Ok, il y en a encore qui se battent en duel. C'est quoi, c'est un vilain lui? Ah, il m'a agressé le premier. Il doit mourir. Tiens, mange-toi ma glace directement dans la bouche. Aïe, aïe. Oh la vache. Vilain. Vilain, vilain, vilain. Oui, tout prendre. Oh là là, il y a des loustiques un peu partout. Ah bon? La beauté esclavagiste, il faut la... Ah, c'est un esclave. Ah oui, il faut retirer ses menottes. Bah alors, mon pauvre. Enfin libre. Bah, tu m'étonnes. Merci. Oui, bah, barre-toi, mon grand. Oh, les champignons mignons. Faudra que j'en récolte quelques-uns pour faire de la potion. Faut que j'apprenne l'alchimie, moi aussi. Oh, regardez-moi ces champignons monstrueux. Oh, oh, il y a un ennemi en face. C'est une archère esclavagiste. J'attends qu'il tire le premier contre moi, en fait, parce que s'il y a un jugement d'agression, la faute leur revient pas à moi. Ça, c'est un traumatisme lié au premier Morrowind. Je déconne pas. Hein. Ceux qui y ont joué comprendront ce que... Voilà, ça signifie. Qu'est-ce que... Mais qui c'est qui m'a fait tomber du quai? On m'a fait tomber du quai, c'est scandaleux. Papa, 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 pipi, pidou. Oh, il y a encore un malheureux.
Attendez, oui, il y a du bois partout. C'est un coup à se prendre les pieds dedans et se manger une mandale. Une mandale. Une gamelle. Oh, Russule hémétique. On aurait presque dit une amanite tue mouche, sauf qu'il n'y a pas les petits points blancs dessus. Ah, malheureux va. Retrouve ta liberté. Vite, barre-toi. J'arrive pas à y croire. Libre. Bah oui. Il faut. Attendez, c'est n'importe quoi chez les esclavagistes, ça. Oh, c'est un vilain, lui. C'est une archère, en plus. Bon, je la pousse du quai. Tombe dans l'eau. Tu vas finir en glaçon. Bruh. C'est n'importe quoi, ce combat. Allez, baf, glaçon dans la tronche. C'est n'importe nawak. Ah, d'accord, archère. Oh, j'ai fait un recul. Je sais pas si c'était de moi en faisant une fausse manœuvre de recul, mais... Ah oui, c'est vrai que je peux la passer en faisant ça. Faut pas que j'oublie les sons du tuto de base. Oh, très bien, justement, pour l'alchimie. Ah, je peux fouiller le sac. Oh, il y avait une rose. Rosé. Quoi? Du maté d'hierba? Aucune idée de ce que c'est. Un mystère absolu pour moi. Ah, du lotus. La fleur, hein, pas le papier toilette pour se torcher. On pourrait croire. Oh là là, le mot écarlate. Eh, c'est beau, j'aime bien. Bon, vous savez que je m'exclamais c'est beau tous les quarts d'heure, mais... Franchement, c'est... J'adore. Oh, il y a sûrement une caisse par ici. Tiens, donc c'est un vrai quai. Ils peuvent vraiment embarquer des trucs par ici. Et sur la carte, ça correspond à quoi? On est où exactement? Si je retrouve la carte, décidément, cette interface folle. Ah, c'est complètement scripté, en fait, le bordel. Je peux dézoomer? Oh, je suis largué. Ah! Ah! D'accord, je suis sur cette île. D'accord, ouais, c'est vraiment la grosse île de machin truc. Dakodak. Qu'est-ce que... Note du capitaine. Alors, si vous lisez ceci, prévenez le reste de l'équipage que tout le monde sache à quoi s'en tenir. La Moratong a émis un ordre à mon nom. Je soupçonne notre complice à Seyunaid de s'inquiéter. Mais nous nous occuperons bientôt de cette trahison du gouverneur Omelian. Et si je me trompe à son sujet, si c'est plutôt l'un de vous qui compte monter en grade en me faisant assassiner, venez me voir en face. L'équipe mérite un chef honorable et pas des coups de couteau dans le dos. Captain Zlatstar. Zlatstar, de son vrai nom. Mince, pardon, je fais n'importe quoi avec l'interface. Ah, il faut que je... Oui, non, je l'ai prise la note. C'est une preuve. Rien dans les tonneaux, rien de caché. Attendez, j'ai un petit problème avec ma souris qui est mal centrée. Voilà, excusez-moi. Quoi? Voilà, il y a du grabuge. Il y a des choses à prendre. Quoi? De la colle de poisson? Non, sérieux? Il y a vraiment des choses extraordinaires. Dans ce monde. La levure. T'as bien déjà envie de faire du pain. Je vais ouvrir la boulangerie. Oh. Il y a sûrement une preuve sur lui. Pour prendre esclavage déshonoré. Le baril, la colle de poisson. La colle de poisson. Ça, je peux rien en faire. Ah, cet horizon. Il y en a des choses étranges.
Vache, ça en fait des caravelles. Je ne savais pas qu'il y avait autant de champignons en Verdantfield. Les champignons ont changé d'une ère à l'autre, je trouve. Étrange. Qu'est-ce que... Ah, des vassards. Ah, il y a une archère esclavagiste au loin. D'ailleurs, pardon, mais cette distance, elle pourrait me viser et essayer de me dégommer, l'autre nunuche. J'ai l'impression qu'elle fait mal son métier. Outre d'eau ramassée. Quoi? Ah, j'ai dû ramasser au-delà du... Ah oui, non, d'accord. Qu'est-ce que... Bien vu, bien vu. Oula. Ah bah, j'arrive trop tard. Bien joué, il y en a qui sont plus forts que moi. Attends, c'est un vilain ça? Bah, c'est encore le même vilain sur lequel... Non, bah faut que je bourrine en fait pour bien patater. Non, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Bon, je devine que le jeu est encore gentil et me prend encore par la main, mais. Ça va pas durer. Attends, c'est qui? Une brute? Ah ouais. Tiens, l'étourdi, tiens, mange de la glace dans ta bouche. Elle s'étourdit toute seule en fait, cette nunuche. Quand même fortiche. Oh, il m'a fait peur lui. Vous avez fini de courir comme des dératés dans tous les sens, oui. C'est incroyable. Ah non, je peux pas ramasser. Oh, je vais faire la cueillette de champignons mignons. Tiens, il y a du monde ici. Ah non, c'est la fin de la mission. Attends, j'ai encore deux pauvres esclaves à sauver. Je suis sûr qu'il y a des trucs de planqués à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Outre d'eau. Non, c'est une bourse. Une bourse. Une gourde, pardon. Je dis n'importe quoi. Ah oui, de l'eau claire. Ouais. Un petit baril. Oh, du raisin. Ah, ah, ce que j'ai la chance de manger en vrai. Attends, il n'y a pas un truc de planqué derrière? Je me méfie des petits cadeaux planqués par les concepteurs de niveau, là. Ah, mais non, c'est une amère déception. Il faut visiblement être plus malin que ça. Quoi? Scarabée à champi? Ça a changé, Spenleki. Oui, tu m'étonnes, Edge. Tu m'étonnes. Bah, ils ont fini la maintenance. Ils ont ouvert à 15h. Donc, toi, j'y suis connecté depuis 15 minutes. Attends, ils m'annoncent des trucs. Moi, je suis complètement largué. De quoi? C'est un esclave? Qui êtes-vous? Ah oui! Oh, la pauvre jeune femme! Comment puis-je faire pour la... Attends, j'avais l'action de la secourir. Oula, il y a des bugs de collision là au niveau des boîtes d'action. Enfin, je suis libre! Eh oui! Fuis, ma grande! Il n'y a rien à récolter. Quoi? Oh merde! Oh le bestiaire! Attends, je vais attaquer à distance, ce sera mieux. Non, tu vas pas me charger. Tu vas mourir. Merci. Fouillez, pauvre fou! Ouais, c'est ça. Oh! Joli butin! Je crois que ma bravoure a été récompensée. Que vois-je? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un vassar. Oh la vache. Oh merde. Oui, non, c'est pas un vassar, c'était un braillard de falaise. Mais bon, bref. Pas mal, l'île, pas mal. Elle est pas dépêchée. Merde, il y a encore un bestiaire.
Oh bah lui je peux l'attaquer Oh, je connaissais pas cette attaque de la part de, des alliés. Je m'en souvenais pas. Mazette. Oh, Non, il n'y a rien à récolter. Oh, c'est beau. Oh, regardez-moi ça. Avec le clair de... Le clair des lunes, en fait. Faut bien l'avouer. Bon, je pense que je me suis égaré. Oh, le beau bleuet. C'est joli. Je me suis égaré. Didadidadi. Oh. Scarabée de blablabla. Va mourir le scarabée, va mourir! Pied de lutin, rampant, apassal, burk. Burk, burk, burk. Oh, un mort. Qui est mort ici? Ah, pourtant les terres en face. Bizarre autant qu'étrange, pourrait-on dire. Bon, il va falloir clairement que je revienne sur mes pas, mais l'envie d'explorer est la plus forte. Oh, une barque. Non, les vassards, je m'en moque. Ouais, tu parles des araignées champignons. On fait une belle jambe. Qu'est-ce que ce truc? Un coureur des falaises. Oh, il y a du bleuet. Il y a du bleuet. Je vais peut-être éviter d'exciter l'hôte qui est en mode vigile. Pour que je serais presque tenté de me dire je suis en train de louper quelque chose. Ouais. Je passe en dessous, j'espère que je vais pas l'exciter. Oh bah tiens. Quand je disais que je loupe peut-être un truc. Recette lapin au millet pilaf et du manganèse. C'est énorme. Une pierre d'âme. Oh, ça vaut cher, ça. Non, j'aime pas ce que j'ai entendu. Oui, c'est le piaf qui est au-dessus de moi, là. Les pièces, une bouteille et un carnet. Pourquoi je peux pas prendre le... C'est le journal du défunt. Non, j'ai pas le droit. Oh, déception. J'ai une déception. Ah oui, hein, son embarcation s'est trouvée fracassée. Une bouteille vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre runique? Ok. Alors, je connaissais pas non plus. C'est propre à la version en ligne de The Elder Scrolls. Hein, c'est très original. Une bouteille vide. Oui, bah, je vais arrêter avec les bouteilles vides. Ouais, non, mais c'est un naufrage épouvantable. L'autre, il s'excite sur le rocher, là. Là, j'ai des vassards. Donc, c'est les crabes locaux. Oh, qu'est-ce donc? Une veine d'étain. Oh! J'ai une pioche dans mon inventaire que je ne savais même pas, dis donc. Un poudre d'étain. Succès déverrouillé. Apprenti récolteur de ressources. Tu m'étonnes! C'est le bonheur. Pour peu que ce soit sous forme cubique, j'aurais pu croire un instant que je rejouais à Minecraft. Bon, je me marre, mais en attendant, j'accomplis mal ma mission. J'assure l'exploration, mais pour ce qui est du reste... Ah, je suis en train de me les geler dans les eaux glacées, là. Alors que je suis censé être un maître du froid, c'est ridicule. C'est ridiculoche. Oh, la lit qui est de retour, mais il a fini de réapparaître au même endroit à chaque fois. Allez, viens mourir. Viens mourir si t'es un monstre. Sale bête. Non, tu me taperas pas. Non. Lanière de peau brute. Eh ben, je m'en ferai un sac. Je m'en ferai un sac.
Il fallait que tu le saches. Non, c'est pas un truc à ramasser. Elle est jolie, corps. Coquillage et crustacé. Qu'est-ce que c'est la fin de l'été? Bon. Il y a un malheureux esclave que j'ai oublié de. Non, mais il y a des trucs dans ces grottes, c'est pas possible. Non? Ah non, c'est pas une grotte, c'est l'ombre portée. Oh mon dieu! J'ai terminé. Aïe, 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 il arrive à me bouffer. Salopard. Oh, je l'ai cryogénisé. Oh ouais, il a dégusté mon pouvoir. Je peux tout... Enfin, bientôt, je pourrai tout transformer en glace. Même les lunes dans le ciel. J'en ferai des boules glacées à l'avenir. Ah! Ah, ils sont deux. Il va planter ton camarade. Mais oui, je prends l'avantage. Brûlez ça. Oui, in your face. Oh l'eau, tes peaux de vache. Elle a réussi à faire une ruine de feu. J'allais dire de feu. Pleine charge, la face. In your face. In your face. Allez, pan dans tes dents. Oh, il y en a qui font usage des sorts de feu. Ça fait un peu Mortal Kombat par moment avec leur cul, c'est rigolo. Merci du coup de main. Oh bravo, elle est sonnée la miss. Joli. GG. La 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 la. Ah, y'avait pas vu, y'avait une bâtisse. Il faut rentrer dedans. Ding dong. Comment ça je peux pas ouvrir la porte de ce côté? Ah bah merde alors, j'ai trouvé la sortie et pas l'entrée. Ah bah merde. Mais vous avez fini de hurler comme des fous? Ah merde, oui, effectivement il y a du monde là. On est d'accord. Bon, voilà, ils sont quick. Alors attends, s'il y a une porte de sortie, il y a forcément une porte d'entrée. La question est, où est cette porte? Non, je crois que j'ai aucun intérêt à aller là-dedans. Merdoum. Merdoum, merdoum, cretoum, chutoum. Ah, j'ai pas l'air yo, moi. De ce côté. Je ne peux pas aller de ce côté. Donc, j'en conclus que j'ai mal exploré l'île. Bon, il me dit que l'autre... attendez, je vais libérer l'autre esclave parce que... Égorgeuse esclavagiste, oh, quelle horreur. Oui, allez, hop, je libère Noam. Je vous dois une fière chandelle. Ouais. Enfin, pour la fuite, mais... Oh, ce bordel. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est le compagnon du... D'accord. Wouh, faut suivre. Étrange. Ah non, il faut revenir dans l'embarcation. Ah, mais je suis pas chaud, parce qu'il y a un édifice... Merde, tiens, je t'ai pas vu, toi. Je t'ai copieusement ignoré, vilain. Le vilain. Soyons malins. Soyons malins, soyons malins. La porte de sortie est ici. Où serait l'entrée de l'édifice? On voit de la lumière derrière, au niveau des aménagements. C'est vrai que l'île est grande. Je vais peut-être devoir faire un peu de nage. Je m'interroge, comme quoi il faut plutôt garder les yeux grands ouverts. Mmh. Ah d'accord, il boxe les crabes. Ouais, faites comme il vous plaira.
Attendez, moi j'essaie de comprendre les mystères de cette île. Oh non, encore la lutte de mes deux. Mais c'est pas possible. Bien joué, bravo. Lanière de peau, ouais, brut. Quoi, ramasser de l'encolie. Eh bien. Ah bah. Ah merde, non, c'est un scarabée, truc moche. Voilà, je l'ai cryogénisé. La 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 la. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un intérêt à y aller à la nage. C'est moi ou j'ai encore pied le long du rivage? Ah, ça y est, j'ai perdu pied. Il faut nager. Allez, je fais quelques brasses. Pourquoi je me fais attaquer? Qu'est-ce qui... Ah, d'accord. Ok. Ne vous aventurez pas dans les eaux profondes. Je viens d'apprendre quelque chose. D'accord, ok. Bon, bah, c'est pas... Effectivement, comme m'avait dit Nash, c'est pas du tout la même logique que les hors-lignes. Oui, attention aux poissons, oui, bah oui. Non, bah voilà, je viens d'apprendre un truc. C'est pas du tout la même logique. Bon, bah, sur ce, je rebouche chemin, hein. Je suis un peu dépité. Mystère. Et je dois faire mon rapport à la madame. Elle est rentrée dans le bureau, la madame. Ah non, Salvi, c'est le... C'est le... Vraiment ce... Mon associé sera bientôt là. Patience, gouverneur. Gon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai informé le gouverneur que les captifs secourus sur l'île de Brulphalen sont sains et saufs. Voulez-vous ajouter quelque chose? Au revoir. Non, je déconne. J'ai trouvé ce message sur l'île. Ce message implique clairement le gouverneur. Avec les autres preuves que vous avez rapportées, on comprend qu'il était de mèche avec les esclavagistes. Bravo. Sedanine vous est redevable pour ce grand service. Mmh. Je me charge du reste. Vous recevrez l'anneau de la Vierge guerrière du gouverneur. Oh mon Dieu, accomplir la quête. Eh bien, j'imagine que nous en avons fini. J'ai un full vase qui m'attend. Non. Gouverneur Omélian, je vous arrête pour avoir encouragé l'esclavagisme sur le territoire du Pacte. Comment osez-vous m'accuser d'un tel acte? Vous n'avez aucune preuve. Un message sur votre parchemin personnel qui a conduit au sabotage du phare et à un naufrage. Une lettre vous désignant comme partenaire des esclavagistes. Continuez-vous de nier votre implication? Cela ne prouve rien. Je vous ferai tous pendre. Le sergent Delms, il est mort! Assassin! Le sergent Delms savait que vous aviez un rapport déclarant Brulphalen libre de tout esclavagiste, et nous savons tous les deux que c'était un mensonge. Le sergent est mort? Qui a pu faire ça? Menottez-le! Oui, gouverneur Salvi. Je sais pas, j'ai une tenue. Ah ah, le gouverneur est en état d'arrestation. Astuce, pierre d'âme remplie plein d'hostilités d'autres joueurs dont charger les enchantements de vos armes. 3 pierres d'âme, ouais, cool, le cadeau, j'apprécie. Expérience à recevoir. Ah oui! Ah oui, s'il vous plaît. Encore de la magie, je suis fou de magie. Ah, recherche de donjon. Vous vous incluez automatiquement dans un groupe de 3 autres aventuriers explorer les cavernes souterraines, fortes abandonnées, ruines dans la jungle et autres quêtes de trésors uniques et puissants. Oh, quoi, un cheval? Pas dans la collection. Non. Ah,
bah oui, c'est le prochain niveau, oulala, ou la prochaine étape, non, même pas, c'est le prochain étape, ça, niveau 10, oui, bah, ce sera même pour aujourd'hui, à mon avis, mais bon, bref. Mais non, j'ai beaucoup aimé la récompense de ce niveau-là, dépenser les points, ah bon? Oui, ah oui, oui, pour la magie, oui. Du coup, je suis Peldo. Ah oui, je sais déjà plus comment ça marche. Drain d'essence, ah ouais? Avec un bâton de rétablissement. Après avoir porté une attaque lourde complètement chargée, vous gagnez une guérison majeure pendant 2 secondes, ce qui augmente les soins, vous prodiguez 16%. Vous soignez également vous et un allié de moins de 12 mètres de la cible, 25% des dégâts infligés par ce dernier coup que vous avez porté en attaque lourde. Oh la vache. Croissance accélérée. Lorsque vous soignez un allié pendant moins de 40% de santé avec une compétence équilibre vert, vous gagnez une guérison majeure qui augmente les soins que vous prodiguez 16% pendant 2 secondes. Ouais, bon. Fouille, fouille, fouille. Ah, bâton de rétablissement, j'aime bien. Régénération. Oui, mais c'est bon, ça. C'est bon, le siphon de force. Bah oui. Je veux être fort, mais... Oui, je peux. Ah oui, c'est ce que disait Rayon Sky, l'escroquerie, oh mon dieu. Ah, magie des âmes, pierre d'âme, compétence active. Bon retrait, Claire Shinobi, merci d'avoir été là. La guilde des mages. Bon. Culturel, compétence de Breton, opportuniste, don de Magnus, don de magie, rang 15, oui ça viendra plus tard, artisanat, maîtrise des solvants, 1 de 8, d'accord, la couture, la cuisine, l'enchantement aussi, amélioration d'aspect, enchantement 36, d'accord, bon bah c'est bon tout ça, c'est sympa. Lettre de plainte à Alu, examinée. Alors, très estimé ministre Therion, maison Redoran, je vous écris pour un sujet de la plus haute importance. Mon office reçoit depuis quelques semaines un nombre croissant de plaintes. Nombre de nos invités de maison ont connu des traitements regrettables. Mais j'ai déjà lu ça la dernière fois, non? Bizarre. Nombre de nos invités de maison ont connu des traitements regrettables aux mains des baillis et connétables de la maison Redoran. Comme vous le savez, la maison Kalahalu est tenue pour devoir d'éclaircir ces incidents en leur nom. Mon cher ministre, tout en partageant vos convictions profondes à la supériorité de Nunmer, nous devons faire notre possible pour garder ces opinions pour nous. Mais oui, j'ai déjà lu. Oh là là, c'est leur horrible. Enfin, bon, bref. Hein, madame. J'espère rendre son honneur au poste de gouverneur, et je ferai de mon mieux pour retrouver la confiance du peuple. Encore merci de votre aide. Merci, madame la gouvernante. Madame la gouverneure. On peut dire qu'elle aura fait le ménage. Mon dieu, c'est qui ce ninja? Oh, donc il se la pète avec sa monture. Oh, ma poule. Oui, enfin, c'est un peu plus une poule. Parler à l'archichanoine. Oulala, il est loin, l'archichanoine. Il est à Vivec, non? À cette heure-ci. On l'a perdu. Appelez Jacques Pradel. Ah, coup du rappel, 49 pièces d'or, bleu, la loge, la cruste d'Amaya. Pour apercevoir la maison, comment ça? Se rendre dans la loge... Mais non, mais de toute façon, j'aurais jamais les moyens d'acheter une baraque, et puis j'ai mon petit appart à Vivec, alors ça me va. Aller au cratère de Caldera. Wouh, c'est loin, mais pourquoi pas? Bon, écoute, voyage, non? Ça c'est quoi? Le loft de Saint d'aller une clique gauche pour... Oui, mais c'est pour faire quoi?
Parler à l'archichanoine Tarvus. L'archichanoine Tarvus. Ah bah il est pas si loin que ça le mec. Ah ouais, t'es où mec? Il est dans les parages le gars. Il nous y va. Et je me promène. Quoi? Mais non. Navigateur? Non. Non, faut pas que je mette sur navigateur. Faut que j'aille à pied. Enfin, je crois. Ah oui, il faut pas aller dans l'eau. Soupir. Attention, pardon la madame. On passe. C'est pas tout de nourrir les animaux, mais. J'ai peut-être essayé d'éviter de sortir des sentiers battus, parce que sinon je vais me faire patater par la faune sauvage. La faune et éventuellement la flore. Ah, et chasser des marais. Le bel et chassier des marais. Cache que chaque char. Non, c'est juste un éclairage. Buffnix. Il serait par là-bas le Mickey. D'accord. C'est un chemin de randonnée. Ah mon dieu. Une lebalale. Ouais. C'est ça. Il y a la marmotte qui remballe le chocolat dans le 1. Bon. Ah. Oh. Oh. Cette violence. Venez à Ravenfeld, examinez. Venez à Ravenfeld, cousin. Je sais que tu as un appartement au-dessus du magasin à Hurlevent, mais il faut absolument que tu viennes me rejoindre à Ravenfeld. Je suis là depuis moins d'un an et j'ai déjà ma propre maison à côté de Balbora. Je gagne assez pour me rendre tous les mois à Vivec. Tu n'imagines pas l'architecture qu'on voit ici. Ils ont construit la ville du guerrier poète sur l'eau. Ah oui, ça désigne Vivec, le guerrier poète, c'est exact. Tous ces cantons sur plusieurs étages, je me perds souvent. Mais qui c'est qui me patate alors que je suis en train de lire? Mais merci du coup de main, noble chevalier de... Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? C'est un coureur des falaises, mais c'est scandaleux. J'ai pas fini ma lecture, c'était une honte. Merci. Je devrais savoir tirer une révérence. Parce que le geste est apprécié, merci beaucoup. Alors attendez. Je t'ai donc en train de lire... oui, tous ces cantons sur plusieurs étages, je me perds souvent. Oui, tout le monde s'y perd. Et à Balmora, un canal court au milieu de la ville. Je pensais qu'on l'appelait la ville d'eau, mais elle mériterait surtout d'être la ville des belles serveuses. Il y a une elfe noire dans une des tavernes à qui je plais vraiment, ça se sent. Bref, quand tu seras là, viens me voir à Balmora, c'est au nord de Seyunnind. Si tu débarques à Vivec, investis dans un voyage en péniche. Les animaux qu'on croise sur la route peuvent être dangereux. Signé Arthurian. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que... Sale bête. Shroudbait, tu vas rester sur le pont. J'en gagne deux cuir. Oh, on arrive déjà à Vivec. C'était là. Ah mon dieu! Vous me faites peur avec votre ours, vous. Passez donc votre chemin. Bah, retournons à Vivec. Il y a un milliard de choses à faire là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un guarnin. Je suis sûr que ce sont eux les plus agressifs. Oh. Kijako. Tour du caravanier. Oui, non, mais non, je vais pas voyager, mais... Oh là là, il y en a des choses. Hic, excusez-moi. Pardon. Alors, ce chantier. Je viens l'inspecter. Oh, ce boulot. Ah, c'est des malins.
Alors vous allez me prendre pour un fou, mais de voir Vivek dans cet état, ça m'émeut. De voir la secondaire, la construction de... Parce que je suis tellement habitué à voir la ville bâtie dans Morrowind, mais c'est... Ouah, c'est troublant, vraiment. C'est troublant. Ah. Non, mais je vais pas déranger. Oh là, il y a tellement de choses à visiter. Oh, allez, doucement avec vos chevaux, vous. Oui, je pense qu'il y aura Torota aussi. Oui, c'est gentil, tu m'as annoncé, Christella, mais... Je pense qu'il y a Torota aussi. Faut juste attendre qu'il sorte de sa sieste. Il nous rejoindra tout à l'heure. Ah, mon dieu. Oh non. Garde de maison. Le chien de l'île. Je sais déjà plus ce qu'il y a là-dedans, mais bon, on y retourne. Oula, j'ai fait un roulé-boulé, moi je deviens fou. Ah oui, celle qui apprend à faire les sorts de... Oh, ah, c'est par ici même. Le canton sera... As-tu reçu ma demande d'amis sur tes os? Je vais regarder ça immédiatement, Christella, pardon. Attends. Probablement, te répondrai-je. Christella va être votre amie. Oui, c'est bon. Christella Rock. Quoi? Vous avez une nouvelle récompense en attendant d'être acceptée. Ah oui, la récompense journalière, mon dieu. Alors, boutique à couronne, récompense journalière, récompense juillet, sera initialisée dans une semaine et quelques heures. J'ai le choix? Non, j'ai pas le choix. Pierre d'âme à couronne. Oh, pierre d'âme, merde, 10 pierres d'âme, ça vaut le coup. Repas fortifiant en couronne. Là, il y a de l'or et là, plein de d'expérience. Non, je serais tenté d'avoir les... Non, bah, je peux pas choisir, visiblement. Bon, bah, je vais réclamer mon dieu. Bon, bah, merci. Parchemin d'expérience à couronne. Bon, bah, merci. Ok, ok. Ah! M'a fait peur, le monsieur. M'a fait peur. Ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta. C'est là que ça se... Ah, guide des mages. Ma guilde. Apprendre à faire des glaçons. Pour une certification, je peux vous aider. Vous voulez apprendre une compétence, n'est-ce pas? Ah, volontiers. Votre alliance couvre l'ensemble des frais considérables que cela implique. Ah bon? Ce qui me permet de vous transmettre mon savoir à titre gratuit. Oh, merveilleux. Si vous faites vos preuves, j'attesterai du fait que vous êtes compétent pour remplir des commandes d'artisanat. Ah, alors là, je veux bien davantage d'explications sur qu'est-ce que les commandes d'artisanat. Ce sont des commandes de marchandises manufacturées. On en reçoit tous les jours, mais on ne les passe qu'à des artisans confirmés. Mm-hmm. Prouvez-moi que vous vous y connaissez, et vous aurez votre certification. Mm-hmm. Alors, comment dois-je procéder? Je suis d'accord. Je peux vous entraîner et faire de vous un cuisinier, un alchimiste ou un enchanteur. Si cela vous intéresse, nous devrions commencer au plus tôt. Bah, les trois disciplines m'intéressent. Ah bah c'est, Torota s'est réveillé. dites-moi en plus sur les certifications que vous délivrez. Oui, je veux bien en savoir plus sur les certifications, ça m'intrigue. Bien sûr. Que font les cuistots? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ils se chargent de tout ce qui touche aux vivres et à la boisson, réchauffent le ventre et l'esprit. Si vous souhaitez étudier cet art, je vous transmettrai tout ce que j'ai appris au cours de mes longues années d'expérience. Sympa. Les alchimistes? Des potions en tout genre. L'art subtil de combiner les réactifs peut produire des effets bien moins subtils. Et les enchanteurs? Des glyphes pour insuffler des propriétés magiques aux armes, armures et bijoux. Je peux vous apprendre à couronner votre hache de flamme ou à rendre vos robes de mage solides comme le fer. Très bien, j'ai compris. Merci, monsieur. Il y a bien Millénite. Elle délivre les certifications de forgeron, tailleur et travailleur du bois. Si ce genre de choses vous intéresse. Beaucoup moins. Hélas pour moi, elle travaille la matière comme personne. Tailleur à la limite, mais... Mais non, faites-moi passer la certification. Tant mieux.
Commençons puisque nous avons tous les deux le temps. Alors, quelle est la première mission, je vous prie? J'ai d'autres enseignements à vous apporter. Que souhaitez-vous apprendre de moi? Enchanteur, ouais. Ce serait pas mal, j'ai déjà quelques pierres d'âme. Certification d'enchanteur, et seulement après alchimiste, je vous prie. Les enchanteurs exploitent les possibilités des runes et les transforment en glyphes. Oui. Je vais vous former, mais je ne peux me concentrer que sur une seule certification à la fois. Est-ce que cela vous convient? Oui, bah je ferai plus tard la chimie, oui, peut-être avec quelqu'un d'autre. Je trouverai peut-être un autre maître ailleurs dans tout Tamriel qui est énorme. Oui, je viens de devenir certifié en enchantement, je vous prie. La puissance, l'essence et l'aspect. Toute entité qui existe sous les étoiles porte en elle ces éléments. Combinés, ils forment des glyphes qui permettent d'enchanter les objets. Trouvez d'abord ces runes élémentaires. Ensuite, je vous aiderai à réaliser un glyphe. Ah bon, d'accord. Donc je dois faire un glyphe pour obtenir la certification. Donc il me faut des runes élémentaires. Tout à fait, car telle est l'essence de l'enchantement. D'accord. Des runes de puissance, d'essence et d'aspect sont les éléments fondamentaux des glyphes. Rassemblez une rune de chaque variété avant de revenir. Ah, j'ai déjà les runes dont vous parlez. Ah, ah. Alors nous nous tournons vers la table d'enchantement. Vous y combinerez une rune de puissance, une rune d'essence et une rune d'aspect. Ce simple assemblage formera un glyphe. Allez-y, combinez-les. Puissance, essence, aspect. Puissance... Attends, elle est où la table d'enchantement? Puissance, essence, aspect. Puissance, essence, aspect. Là, devant lui? Attendez, je deviens fou là, excusez-moi du peu. Puissance, essence... Oh merde, c'est là où mes runes sont chez le banquier qui avait invoqué Nashevman. Je vais être couillonné. Je sens que je vais être couillonné. Ah mon dieu. Comment puis-je faire? Au secours, comment on invoque le banquier, s'il vous plaît? Je suis perdu. Ah merde. Eh ben, je suis dans la merde. Bijoux, consommables, matériaux, meubles, objets compagnons, divers, rebuts. Divers. Les matériaux. Non, je pense pas qu'il y ait les runes dedans. Les consommables. Ouais, ça aurait pu être là-dedans. Bon, bah je repasserai une autre fois. Hein. La bonne blague. Indice. Utilise des tables d'enchantement. J'aurai créé des glyphes anecdotiques. Oko crée des glyphes de santé. Et Ta crée des glyphes de qualité commune. Ah, attends, le Ta, je l'ai vu. Le... Excusez-moi du peu. Il était où, gros Ta? Je l'ai vu. Ah oui, Oko, d'accord. Mais il me faut une table d'enchantement. Alors, je vais ouvrir grand mes yeux et je vais regarder où est la table. Ah bon, il me dit que c'est par là-bas? Non, vous êtes sérieux? Attendez. Non, mais j'ai... Oui, non, mais c'est à la guilde des mages. Non, il y a un truc qui m'échappe. Attends, faut que j'aille voir le magistère. Bon, il va peut-être m'aider. Qu'a-t-il à me dire? Bienvenue à la maison de Guilde Cherche Savoir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bon, bah si... Voilà, que pouvez-vous me dire sur la Guilde des Mages? Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte. Nous cherchons de nouvelles informations, la capturons dans nos bibliothèques. Et produisons des copies pour les distribuer dans tout Tamriel. La guilde se moque des champs de bataille ou des frontières. Elle ne s'occupe que de la connaissance et de l'acquisition de nouveaux tomes. Qu'est-ce que j'obtiens en échange? Nous proposons une formation en sorts et techniques uniques propres à la guilde.
Et de temps en temps, nous proposons des projets à ceux qui possèdent l'esprit d'aventure. Vous pourriez finir par travailler avec le maître de guilde en personne. Bah... Oui, je suis pas agent de la guilde des mages, moi. Excellent! Vous êtes maintenant un élève de la guilde des mages. Tous les livres que vous trouverez vous rapporteront de la réputation auprès de la guilde. Oui, alors que la quête, oui. La Kodak. Ah! Voilà l'établi en question. Oh, c'est un grand mage. Oh, je vais pas le déranger, il est dans ses écritures. Alors, table d'enchantement. Fabriquer un glyph insignifiant vital. Voilà, je comprends mieux. Insignifiant, c'était... Oh merde, je sais plus. Oh là, Jora. Traduction inconnue, ouais. Alors, ta Oko et Notad. Effet inconnu. Effet inconnu aussi. Quantité 1. Fabriqué. Jora Oko ta. Vous avez traduit les runes suivantes. Jora, développé. Oko, santé. Ta, base. Ah, j'ai développé la santé de base. D'accord. C'est énorme. Veut constituer un groupe. Oui, oui, constituons le groupe. Le chef de l'église est dans la version différente de Vardenfell. Voulez-vous voyager vers l'oratoire le plus proche de lui? Là, je sais pas quoi répondre. Je suis en pleine quête, donc non. Sans offense, hein, on se rejoindra après. Attendez, je suis en train de faire passer ma certification en enchantement, alors excusez-moi du peu. Créer un glyphe en utilisant une rune de puissance, d'essence et d'aspect. Revenez me voir lorsque votre intention aura pris forme. Ben voilà, j'ai réussi un glyphe de santé. Vous devriez l'attacher à un objet afin de voir les effets de l'enchantement. Vous êtes désormais certifié pour effectuer des commandes d'artisanat d'enchantement. Puissiez-vous découvrir les secrets de Nir. Oh. Je reçois l'inspiration et Jejota. Votre maîtrise de l'artisanat est impressionnante. Mais pas totalement. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai encore à vous apprendre. Que pouvez-vous dire sur la situation de cuisinier ou dites-moi en plus sur la situation d'alchimiste? Bah alchimiste, ça m'intéresse plus. Les alchimistes sont les maîtres de l'élixir. Ils emprisonnent la magie en bouteille afin de pouvoir l'utiliser plus tard. Je ne peux toutefois vous certifier que pour une seule discipline à la fois. Si cela vous convient, nous allons commencer votre formation. Tant qu'on y est, alchimie! À l'instar des maîtres cuisiniers, tout alchimiste doit réunir les bons composants avant de pouvoir préparer une mixture spéciale. Êtes-vous si doué que cela? Nous verrons. Trouvez-moi un solvant et des réactifs. Ensuite, vous me préparerez une potion. Je veux préparer une potion pour me faire certifier? Oui. Chaque mélange alchimique nécessite un solvant, une base liquide pure. Il faut aussi des réactifs comme des herbes ou des fleurs. Allez trouver un solvant et des réactifs. Lorsque vous aurez le nécessaire, revenez me voir. Où puis-je trouver des solvants et des réactifs? Il y a un endroit calme pas très loin d'ici, avec des lys, des cimes et de l'encolie. Et il y a sûrement une source d'eau fraîche pas très loin. Si vous ne trouvez rien là-bas, essayez de vous aventurer un peu plus loin. Vous verrez. À quel autre endroit pourrais-je trouver des réactifs et du solvant? Dans la nature. Vous trouverez des herbes, des fleurs et des champignons un peu partout. Ce sont les meilleurs réactifs. Quant au solvant, cherchez des sources bouillonnantes dans les lacs, les mares, les cours d'eau et même sur les côtes. Oh. Ou des bouteilles fermées. La pureté du solvant est essentielle. D'accord. Je reviendrai avec les ingrédients. Eh bien... Pa, 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 pa.
Alors, l'étage inférieur de la guilde des mages. Guilde des guerriers ou porte fermée. Ok. Et bah dis donc, quelle aventure! Quelle aventure! Chercher souvent. Ah, je vais pas forcément faire que ça. Non. Oh, au fur et à mesure de mes aventures, je finirai bien par récolter ce qu'ils souhaitent. C'est fou. J'ai un vieux réflexe, mais dans le futur, au niveau de Vivec, il y a parfois des égouts, des bouches d'égouts dans les angles. Et faire les égouts, c'était pas mal, c'était partir à l'aventure. Parce que les égouts de Vivec sont vastes, puisqu'on voit que la base est toujours plus grande que l'étage supérieur. Donc les égouts étaient immenses, en fait, à Vivec. De conception. À quoi il joue, lui? Attends, je vais essayer un quartier de Vivec. Oh la vache, le mont écarlate. Terrible. Saint-Homme. Je sens que je vais me perdre, mais bon. Oh, que cocher beau. C'est magnifique. Ah, vous êtes vendeur? Ah oui, vous êtes marchand. Que vendez-vous, monsieur? Le commerce ralentit depuis que la montagne gronde. Je vous en prie, si vous avez une once de compassion, achetez-moi quelque chose. Bah, si le magasin m'intéresse, oui. Ah, des crochets, par exemple, c'est pas idiot. Oh, une pierre d'âme vide. Oui, je vais t'acheter des choses. Je vais acheter... Attends, comment je fais? Merde, je sais plus où est mon E. Attends, il suffit de cliquer dessus. Oui, cliquer dessus suffit. D'accord, je peux me ruiner en pierre d'âme en fait. Bon, je vais peut-être me calmer. Je me retrouve avec 50 pierres d'âme. Puis je m'achète quelques crochets. Ah, je vais en avoir 99, je crois. Bon, bref, je vais arrêter de me ruiner pour rien. Et il pourra pas dire que je vais rien acheter, hein. Soupir. Oh, un jongleur. Je veux voir le jongleur. Oh, c'est numéro. Attends, c'est trois pommes ou c'est trois... Oh, pas sûr. Attendez voir, je me permets de regarder de plus près. Non, non, c'est vraiment des boules de jonglerie. Enfin, bref. Voilà, c'est l'instrument approprié. Eh ben, dis donc. Que le spectacle. Que le spectacle dans le coin. Attends-nous le sage, dit Torota. Ah bon? Alors je vous attends, d'accord. Je suis perdu. Non, je suis à Vivec. Je suis à la place Saint-Holmes, je crois. Je sais plus. Où suis-je? Je suis... Quelque part dans Vivec, c'est merveilleux, c'est le bordel. Je suis... Non, c'est pas Saint-Délime. Ah oui, laissez-moi zoomer, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y en a pas 50, Vivec est en construction. C'est moins bordélique que... Ah voilà, je suis... Ah bah t'es devant moi. Attendez, merde, je suis troublé. Il est où Torota? Je t'ai vu sur la carte, t'es tout proche. Tu cours dans les couloirs. Bon, j'ai besoin de me reposer sur un banc, moi. Hein. Je bouge plus. Je vous laisse me rejoindre, les copains. Moi, je m'assois. Vous connaissiez mieux l'endroit que moi. C'est terrible d'avouer ça, mais bon. Alors que j'ai pas mal d'heures sur le premier Morrowind, mais je ne sais plus, j'avoue. Ma mémoire, j'étais fâché.
Oh, c'est Lampion. Attendez, je vais regarder le jongleur parce que... J'aime bien le numéro de cirque. Mais non, mais... Tourne pas le dos à l'artiste. Oh. Ah, voilà, je regarde le numéro de, hein, de jonglerie. Non, non, douée la madame. Moi, je dis, elle est douée. J'oserais pas l'interrompre, mais bravo. Dorota, où es-tu? Alors, c'est ça, je me gratouille. Comment ça, arme différente? Ah, main gauche, poison. Ah oui, j'ai plein de poisons. Alors, lorsque vous êtes équipé d'un poison, vos attaques légères, lourdes ou compétences d'armes ont une chance de consommer une unité de poison appliquée à l'effet. Les enchantements d'armes sont inhibés, alors poison équipé ne s'applique pas... Oui, en effet. Oui, mais c'est bien, j'ai 125 fioles, alors autant que ça serve. Le mieux, c'est de se retrouver devant l'oratoire. Ah merde, d'accord, pardon, excusez-moi. Alors, l'oratoire. Non, mais s'il faut que je me connecte à une vocale, vous me le dites, parce que là, ça devient tellement... Wouh ! L'oratoire. Alors, je peux fonctionner mon cerveau. L'oratoire, c'est là où tout le monde parle, de vive voix, doit y avoir une assemblée, ça doit être en bas. Comme une espèce de, d'auditoire. Oui, bah oui, un oratoire. L'oratoire. C'est... Bonjour, monsieur, vous pouvez me dire où est l'oratoire, s'il vous plaît ? Monsieur l'ordonne... madame. Mm-hmm. Enfin... Oula. Oubliez-moi. Au secours, maman, j'ai peur. Il est où l'oratoire sur la carte? Oratoire. Ah, Torota qui court. Et tu cours, après l'amour. Jour et nuit, sans arrêt, tu cours. J'ai vu Torota. Il était où, Torota? Bah mince. Attendez, je regarde là, Christella est là, et Torota... Bah, je suis cerné, vous êtes là, les copains. Bah non. Vous êtes à l'étage du dessus. Ou du dessous, je ne sais plus. Ah, vous êtes à l'étage du dessous, peut-être, non? Attendez, je vais à l'étage du dessous, je saute. Aïe. Et là, vous allez me dire, j'ai fait une connerie. Wouh! Bah, j'ai cru vous voir. Attendez. Oh, je vois une barre bleue. Qui c'est qui est devenu une barre bleue? Torota! T'as un sort d'invisibilité ou c'est un bug? C'est incroyable. Je suis troublé. Tu es devenu une barre bleue. Je ne comprends pas. Oh mon dieu. Et Christella aussi est devenue une barre bleue. Ah merde. C'est troublant comme expérience. Non mais vraiment. Oh là là. Chevalier cornu, je vais pas l'agresser. Je ne bouge plus. Au secours, je reste près de la caisse. J'ai trop peur. Mais que signifie cette magie du démon, Torota? C'est n'importe quoi. On est en dessous, le sage mort de rire. Ah merde, c'est pour ça que je vois juste... Mais de quoi, en dessous, dans l'eau? Ah oui, attendez, ça y est, j'ai compris, bougez pas. D'accord. Ah bah merde, c'est... Oh, la porte, elle est scellée, bande d'indélicats, va. Ah bah merde, il répare. Ah bah bravo, je suis allé là où c'est verrouillé, en travaux. Je vais faire le tour, j'arrive. Oh, le bordel. Monsieur l'ordonnateur, s'il vous plaît. Non, oubliez. Oula. Il y en a quoi, un aspect austère. Bon bah, hé. Il y a une porte qui est déverrouillée, bande de schnouf, là, ou quoi? Mais, je suis en train de tourner comme un gros nigaud. Ah, bon, à mon avis, il faut passer par le haut pour mieux redescendre en bas. Ça y est, j'ai compris, j'arrive. Ah, là. En bas. Allez, hop, je saute. Je m'en fous si je me pète les chevilles. Alors, en bas, là c'est fermé. Merdoum, pourquoi c'est fermé? L'oratoire.
Ah ouais, il y a... Oh, oh, magnifique. Je vois des choses. Vas-y, saute, le sage. Non, mais j'ai envie de dire, c'est déjà fait. C'est juste que je n'arrive pas à aller plus bas, en fait. Oh mon Dieu, je vois une danseuse. Je vois des choses magnifiques. Oh, elle est merveilleuse, cette dame. Oh là là. Oh. C'est... Oh, je suis troublé. Non, attendez, pardon, je ne sais plus. Mais il n'y a pas un étage plus inférieur que ça, là, je ne comprends plus. Qui êtes-vous? Qui est qui? Je suis perdu. Au secours! Je suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là quand même. Bon, attendez, je vais bien finir par trouver, bordelum. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attendez. Dans la logique de Vivek... sur les côtés, il y aurait plus bas, en fait? Comment ça, un chat? Il m'a annoncé un chat. Où ça? Oh, le petit félin tout mimi. Moi, le tout mimi. Regardez-moi, chat. Oh. Oui. Ah! C'était qui? Je ne sais pas. Il m'a fait peur. Attendez. Non, je... canton supérieur. Mais non, c'est l'inférieur qu'il me faut. Je suis complètement largué, c'est horrible, hein. Je suis désolé, mais je suis complètement... Mais non, mais oui, vous étiez en bas, je sais. C'est quoi ça ? Place de Saint-Holmes. Alors attends, je vais plus bas, voilà, je me suis encore pété les chevilles. Merde, vous étiez là. Comment ça se fait ? Mais plus bas, c'est la flotte, je vais mourir si j'y vais, non ? On dirait presque une porte, mais non. Mais non, c'est la construction des égouts, faut pas y aller. Pardon, hein, je suis navré d'être aussi nul, mais... Excusez, peut-être indiquer mon chemin, non ? Non, il peut pas. Bon, on peut pas déranger les ouvriers. Ah, attendez, je vais avoir une vue avec ça, non ? Non, je peux pas y aller non plus. Je suis largué. Terrible. On peut même pas se demander son chemin à un ordinateur. C'est scandaleux. Je finirais bien par y arriver, bordel. Donc là, je redescends. Ça m'en fout. Garde des maisons et tout est verrouillé. Mais pourquoi? Et si je regarde la carte, est-ce que je vous vois encore? Bah là, non. Ah, je suis complètement largué. Mais alors, complètement. Après, je crois qu'il y a moyen de se téléporter. Attendez, ami. Ami, Totavelfeld. Voyager rapide jusqu'à un joueur. Ah, voilà, je vais faire ça. Et oui, c'est vrai, je suis censé maîtriser les arcanes de la magie, donc je peux me téléporter. En fait, j'aurais dû faire ça depuis le début, au lieu de me faire suer à y aller comme un humain normal. Faut pas désespérer. Ah, l'oratoire. Oui, dans l'oratoire. T'as cet oratoire. Pour aller à la chaîne, la Christella, machin, pouprout. Alors, je vois Sirens, je vois Bloody, je sais pas quoi là. Espoir. Où êtes-vous? Oh mon Dieu, je suis perdu. Ah! Oh, Torota! Oh, j'étais là, je vous suis. Excusez-moi, ça y est, je suis là, je vous suis. Je vous suis. Mais j'aurais peut-être dû rentrer dans une de vos vocales, non? Je ne sais pas. Enfin, je vous suis. Coucou tout le monde, hein, depuis chez Christella ou chez Torota, je ne sais pas. Champion de Vivek! Oh la classe! Bien, Torota.
Ah. Ah ouais, franchement la classe, Torota, trop bien l'armure. C'est vrai que pas mal non plus Cristal Arme. Bon, moi je suis modeste. Je suis le SDF du groupe. C'est horrible. Ah oh my god. Alors, que faisons-nous? Dites-moi tout. Je vous ai enfin retrouvé, il était temps. On ne désespère pas, c'est n'importe quoi. On se met en vocal? Bah oui, je pense que c'est mieux. Mais comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Je viens chez toi, Christella, au niveau du Discord? T'en penses quoi? Moi, je veux bien, hein, ce serait plus simple. Ou Torota nous invite, je sais pas comment on fait. Voilà, j'attends vos instructions. C'est le bazar, c'est le bordel, c'est le bouction. Ah, ah, il y a les ouvriers qui remballent pour aujourd'hui. Ouf. Ils rangent du matos lourd dans le camion. Bref. Faut peut-être que j'aille Discord, moi, au lieu d'être en manigo dans le jeu. Alors, attendez. Je suis sur mon Discord. D'accord, ok. Alors, je vais me permettre d'arriver. Ah oui, effectivement, je vous vois. J'arrive, les copains, excusez-moi. Il déconne. Bonjour tout le monde, ben voilà, c'est le sage. Le sage. Hey, bonjour, bonjour. Ah pardon, excusez-moi. Ça commence fort. C'est vrai que c'est plus facile si on est en vocal. Je me tais. Mais je sais pas moi, t'étais sur une quête ou quelque chose? Bah là je faisais les premières certifications en guilde des mages. Donc j'ai fait la première au niveau de l'enchantement. Et moi il me manque quelques ingrédients pour faire l'alchimie. Mais c'est accessoire, c'est à dire que ça finira bien par arriver. Donc moi je peux vous suivre sachant que je suis inférieur au niveau 10. Donc ça va un peu poser problème puisque je sais que ça me prive de pas mal de trucs encore. Mais à vous bah de non, me dire. Autrement, on te suit autrement. Ah d'accord, ok merci. Bon bah... du coup, je suis tout ému, je ne sais plus. Attendez, je regarde. Ça dépend de ce que tu cherches, parce que j'ai un stock monumental. Alors attends, je vais te relire ma quête. Il me disait, il faut que je me procure du lys des cimes. Est-ce que tu as du lys des cimes, s'il te plaît, Torota? Alors, je vais voir de suite. C'est le seul ingrédient qui me manque pour ma première leçon d'alchimie. Lys des cimes. Moi, ouais, pas, non. Lys des cimes. Oh là là, ce qui arrive avec leurs chevaux, ça fait... Ouh, c'est impressionnant. Hop, eh ben, je vais t'envoyer ça. Ah mais t'en as? Ouais, par chance. Ah ouais. Merci. Du coup, je vais faire ça. Ça... Ah mon dieu, il est une lotiche. Hop. Ah oui, attends. Il faut que je fasse comme ça. Tiens dans son sac. En fait, le truc, c'est que t'as deux sacs pour l'artisanat et les objets. Il faut que tu ailles dans le sac d'artisanat pour le transférer dans les objets. Ah ouais, c'est un peu la galère, par contre, mais bon, après, ça va. Non. On voit. Il faut que je retourne. Hop. Toc. Il faut que t'ailles à la manicure, Toro, t'as les griffes qui sont un peu pointues. Hein. C'est pas faux. Voilà. Oh là, et oh, calmos, l'ours, il m'a foutu des jetons, lui. Et c'est le mien en plus. Ah bon, ah bah dis donc. Mais l'éléphant derrière toi, Toro, il est à toi? Éléphant, oui. Quel éléphant? Ah, voilà pourquoi il est dessus partout. C'est un petit mammouth en fait. Ah. Tu vois pas le petit mammouth? Si, si, le. Oh mon dieu. Oh là, oui. Il est trop mignon. Oui. Oh là, il y a de ces choses. Oh, j'ai pas qu'un mammouth. J'ai. Alors, 10 décimes, je vous prie. Ah, alors qu'on a une vue merveilleuse sur le mont Ecarlat. Normalement, tu l'as dans ton courrier. Ah, merci. Je vais regarder. Notification. Non. Courrier.
Ah oui, attendez, j'ai deux courriers. Ah, j'ai joué. Ah, j'en ai même quatre. Oh mon dieu. Ah, attendez, j'ai du duramen, j'ai du nickel. Je sais pas, on m'a donné ça. Ah bah, c'est toi, il y a 9 jours. Oh merde, merci. Oui, c'était pour faire le coffre. Oui, je prends toutes tes pièces jointes. Allez, hop. Hop, prendre toutes tes pièces jointes. Prendre toutes tes pièces jointes. Prendre toutes tes pièces jointes. Merci, merci, merci. Hop, quitter. Donc. Ah oui, un plan que tu m'avais fourni aussi. Mais pourquoi il me dit pas que j'ai le liste des cimes? On n'a pas le droit de me le donner? Non, sérieux? Attendez. Oh la vache, tu lis des lules. Pourquoi je vois pas le liste des cimes dans mon inventaire du coup? Bah écoute, j'ai demandé toutes les pièces jointes, j'ai vidé toutes les pièces jointes et il m'accorde pas le lime des cimes. Le liste des cimes, pardon. Peut-être que. Qu'est-ce que. Il y en a qui veut se battre en duel, mais. Ouais, non, ça c'est juste pour se faire des points. Enfin, bref. Bon, on va peut-être passer à une autre quête alors, non? Pas peut-être plus simple. Non, des cimes. Tu peux pas le. Si tu le poses. Non, je sais pas si on peut poser le par terre. Je sais pas si on peut poser des trucs par terre. Voilà. Les noobs du jeu, tu sais. Comment on fait? Comment? Ouais. Non, mais t'inquiète pas, ça va. Ça va arriver. Mm. Donc, normalement, si tu mets dans tes courriers, tu devrais. Ah oui, si, alors attends. Tu vas dans tes objets. T'as du tout. Voilà, t'as tout récupéré. Donc, tu vas dans tes objets. Objet inventaire, non? Dans ton inventaire, oui. Et tu vas juste à côté des trois carrés qui sont ensemble à ta droite. Et tu vas sur le pot. Le pot, voilà, celui-là. Juste le pot avec le marteau, là, c'est. Voilà. Oui, le sac d'artisanat qui est verrouillé. Donc, c'est l'autre, là, les trois carrés que tu as juste à ta gauche. Oui. Donc tu recliques dessus et c'est les trois, les fleurs que tu as, parce qu'il n'y en a que trois. Et en fait, en colis, mais c'est ça. Ou regarde dans elle. C'est dans l'ordre alphabétique. Avec ta main pas, mais donc c'est l'encolis. Parce que pour moi, il y avait ce nom-là sur. C'est ça. Étrange. Je suis complètement largué. C'est merveilleux. Je vais dire, c'est lui qui est petit ou c'est moi qui est grande? Non, c'est moi qui suis grande. C'est pas grave, on va passer à une autre quête là parce qu'on est en train de. Je crois que c'était. Ouais, je. C'est pas. C'est en poli parce que. Merci d'avoir essayé. Non, mais je l'accomplirai par moi-même. Alors attendez, journal. Je peux faire pas mal de trucs. Lunderfeld, comme le sang d'une pierre. Parler au conseiller, il y a le dilemme divin, fuir le passé, l'équation Kouama. Quand tu choisis une quête, le sage, tu peux la partager pour tout le monde, comme ça je pense qu'on peut la suivre. Alors, partager. Ah oui, F. Voilà, on va se faire une quête du Kouama dans la mine, ça va être rigolo. Alors attendez, je vais faire des pompes. Placer la nourriture poisonnée. Je vais faire. Oula, pas tout gaffe, ok. Un petit truc avant. Mm-hmm. Voilà, comme ça. C'est. Wouh! C'est psychédélique, hein. Ah ouais, c'est. Toc. Je vais vous envoyer. De quoi. Voilà. Pour toi, Christella. Mmh. Et. Là, avec ses cordes, il devient fulminant, Torota, voilà. La tête révulsée, les yeux rouges. Je vais vous envoyer en enfer. Voilà. Et là, un trou béant enflammé qui se dérobe sous nos pieds. Non. Alors, c'est quoi ça?
Des friands. En fait, quand vous en prenez un, l'effet dure 2 heures et ça vous rallonge la barre de santé, la barre d'énergie. Ouais, mais je vois que c'est niveau 50. Est-ce qu'on peut le prendre quand même? C'est marqué niveau 50 et c'est en rouge. Aïe, je crois que c'est bridé. Eh bien, tu le garderas pour le niveau 50 alors. Oh ouais. Mon dieu! Mais c'est. Ouais. J'ai jamais fait attention à ça. Et ouais, tu vois, le truc il est en rouge. Vous voyez, je peux l'utiliser apparemment, mais je sais pas si les effets seront. Alors, attendez, j'essaie de vous guider dans ma quête, moi. Ce qu'il dit, aller au cratère de Caldera. Au cratère. C'est le petit point blanc là que tu dois avoir là juste au-dessus. Ah oui. Oui oui, exact. On y va. Très juste, merci Torota de m'avoir aidé à lire la boussole. C'est quelque part par là-bas, allons-y. C'est parti pour l'aventure. On est parti. On y croit. Merci de votre patience et de votre indulgence. Vous voulez pas aller à l'oratoire directement? Ce serait peut-être plus rapide. Je sais pas, puisque... moi j'aime bien la marche. Alors, tu me connais, hein, les promenades, j'adore ça. Et bon, on va marcher. Même en virtuel. Ah bah tiens, il y a un quel. Yep. Tant que je ne compte pas dans la flotte avec les satanés piranhas, là, ça a fait flipper. Je me suis fait avoir aussi. Ah bah tu m'étonnes. Alors ça, c'est juste... Ouais, je vous vois, ok. C'est juste que vous dépassez la limite autorisée parce qu'après il n'y a plus rien, donc c'est juste pour dire tu vas trop loin et puis... Oui, de toute façon, ouais, quand on va trop loin sur la carte, il nous re-téléporte ailleurs. D'abord, il te tue avec ses piranhas, t'inquiète pas. Ah oui, tu pars dans l'eau. Oui. Ah, un bœuf Nyx. Waouh, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Alors, je connaissais pas l'attaque, j'ai osé m'attaquer aux bestiaux, mais incroyable. Ouf, pardon. Merci du boomer. Oh, le saut. Ah ouais. Oh, un bâton d'étranglement en érable. Ça valait le coup. Sacré cadeau. Merci du coup de main. Alors, la suite, elle est par là-bas. Attendez, où est le bon chemin? Non, parce qu'en fait, dans les versions hors ligne, les anciennes versions... Juste ici, le sage, là où je suis. Ah, d'accord. Attends, je vois Christella, je ne te vois plus. Attends, toi. Juste remonte un petit peu en haut là où. Oui, tu es là. Ah oui, là. Oui, qu'y a-t-il? T'as pas une plante là juste devant toi? Non. Ah non, tu l'as pas. Ah, le lys des signes, je le vois moi. Alors je sais pas s'il arrive à le voir, c'est l'espèce de. Ah oui, exact, pardon, entre voilà, vous. Voilà, c'est ça qu'ils te font en fait. Voilà. Oui, merci, effectivement. C'te chance. Oui, effectivement, merci. Oui, bon. Parce que c'est vrai que moi j'ai mis en surbrillance, comme ça c'était plus rapide. Tu as parfaitement raison. Et moi je vais apprendre à ouvrir grand mes yeux. Oh, galopin, j'ai envie de mal faire. Je vais faire l'expérience un petit peu. Oh là, il fait des flammes depuis qu'on les galope. Ah oui, si, c'est vrai, ils font des boules de feu, je suis bête. Je ne le sais que trop bien. On le voit plus dans. Pas Morrowind, dans Oblivion. Qui font des flammes, les galopins, les salopards. C'est vrai. Ils en sont capables. Alors, attendez. C'est plus un chemin naturel, là. Nous sommes en train de nous fourvoyer. Ah, faut contourner, non? Reste à savoir comment. Ça va, vous arrivez à me suivre? Tu peux aller dans l'eau, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Tu ne trouveras pas de piranha. Tant que c'est pour relier les deux terres, c'est bon. Lâche. Il est colérable, ce tas. Oula, je vais ressentir, on va se faire allumer. Ouais, c'est ça l'aventure. Allez, j'attaque au fauchement, je suis ma bouille. Aïe! Il m'a donné un coup de bec et tout le bif. Aïe, il est en train de me bouffer le cul, au secours! Libère-moi de ses griffes. Merci. Eh, la vache, il est pas rien ce Mickey. Merci du coup de main. Je prends des risques là, faut que je me calme. Oui. Ah, merci pour les soins. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Petit bateau contre un galop. Hein. Effectivement. Mais sont combien les villes grenades? Oh mince, une ruine de feu. C'est dangereux.
Ouf. Qu'est-ce que... Mais... Ah bah, ton nom c'est Vaillant. Pas facile de faire preuve de dextérité en pleine crise. Non, attends, je vais jouer un faux clan, mais je vais pas le provoquer. Merci du coup de main. C'est quelque part par là-bas. Ok. Il y a un coffre, si vous voulez, ici. Ah bon? Hop. Ah, j'ai vraiment du caca dans les yeux, moi. Faut que j'apprenne vraiment à lire. Non, parce que moi, j'ai... Oui, surveillance, oui, je sais, mais non, quand même. Ouais, mais il était bien caché, surtout. Il est dans le tronc, là. Ah oui, pour le voir. Oh. Ah! Déverrouillage. Donc, t'inquiète. Merde. Oh, que je suis mauvais. Ah, j'en ai réussi un. Merde. Bon, je suis mauvais. On recommence. Là, j'ai réussi. Ah, il y a un ordre. Ah, non, oui. T'as pas d'ordre. C'est juste que, avant que ça ne tremble trop, il faut lâcher, voilà. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Ouais, j'étais comme toi au début, j'y arrivais pas. Je faisais que casser les... Attends, on va y arriver. Attends, quelques secondes et hop, on y retourne. Merde, j'ai cassé le crochet. Merde, mais c'est pas facile. Vache. Oh, je suis nul. Faut que je gagne de l'expérience. Allez, une dernière tentative et puis si je loupe, tant pis. En fait, faut même repérer visuellement le niveau de tremblote du truc. C'est ça. Faut juste anticiper un tout petit peu avant. Oui! Effectivement, merci. Oui! Je te bataille en fer, givré. Ah, merci. Bon, allez. Alors. C'est beau, ce clair des lunes sur l'eau. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc du démon? Aïe! Il y a un portail maléfique qui est apparu devant moi avec un galopin qui est sorti du. Hein, et du coup, je suis des affaires, excusez-moi du peu. Oh, une de gym. Mange. Aïe. Attendez, je suis perdu du coup. C'est par où? C'est par là-bas. Ah bah non, c'est une maison de... Mais qu'est-ce que... C'est pas vrai, on peut pas faire un pas sans se faire agresser par un autre galopin. C'est la folie. Il y en a plein là. Ah ouais. Ils pullulent les brigands. Ah, t'as trouvé quelque chose, Torota. De la soie ancestrale. Oh, moi j'ai de la jute. Quelqu'un s'en sert. Bah oui, tu m'étonnes. Non, dévoreur, il m'intéresse pas. C'est la quête qui m'intéresse. Attends, faut que je contourne un peu. C'est pas vrai, il y a 50. Oh, il tombe. Aïe. Ouh. Ah, j'ai du mal à parler des boules de feu, hein. Punaise. Merde, qu'est-ce qui... Aïe, salopard, pour un faux plan qui me... dans le dos. Alors que j'étais accaparé à me faire un... Ah, à me faire un galopin. Merci, mais je veux bien le coup de main parce que là il m'a mis au sol de sale queue. Il m'a planté. Oh là 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 là. Il est redoutable le cauchemar. Maintenant il y a un galopin derrière, mais bien sûr, allez, et puis mettez-moi un acronac de feu pendant que vous y êtes. Oh là 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 là. Oh le boxon. Merci. Bon bah la récolte est bonne. Lanière et poussière, je sais pas quoi. Viridienne. Eh B. Alors, bon, je vais finir par atteindre mon lieu de quête, moi, ou Crotome. Attendez, c'est une porte ou c'est un piège? Ou je la sens pas. Sinon, ce que tu peux faire, tu mets la carte et normalement, en cliquant sur
l'endroit où tu veux aller, tu mets, tu appuies sur F et ça te met une croix dessus. Comme ça, tu peux te repérer un peu plus facilement et tu peux y aller directement sans chercher trop. D'accord, j'essaie de me diriger à la boussole. J'arrive à Van Vark. On dirait un nom des Pays-Bas. Oula, mince. Oula, je vois que vous avez du grabuge derrière vous. C'est bon, ça y est. Ah bah oui, mais il est en or adoré, il y a un truc à récupérer sur les dépouilles. Je ne résiste pas. Voilà, merci. En plus, j'ai eu de la viande rouge, je vais pouvoir me payer un steak. Trop bien pour la cuisine. Ouch. Alors, attendez. Oh, Suran. Incroyable, mais vrai. Mais décidément, vous avez... Oh, chien de fer. Bébé. Majette, quelle aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai vendu? Je suis pas censé être en ville, moi. Je fais n'importe quoi. Attendez, c'est un cul-de-sac. Mais que signifie? Mais qu'est-ce que... C'est étrange. Un buffet nous attend, mais il n'y a personne. Mon Dieu. Je ne comprends plus. Ninja. Oh là là. Il y a des choses de cachées? Non, même pas. Mais que signifie? Attendez, je regarde un peu la carte parce que je suis troublé. Oh là là, on est loin du... On a une longue route qui nous attend. Ah, je vois par où faut passer. Ça y est, j'ai compris. Pardon, on va passer à travers champ. Je viens de capter le chemin en fait. Bon, il y a quelques alites à patater, mais bon, ça va être... C'est pas trop difficile, j'en ai déjà fait tout seul les alites. En plus, ça rapporte. Vous voyez, j'ai de la viande rouge. J'ai un peu d'expérience. Je peux les mater, ceux-là, je peux. Voilà, merci. Alors, par là-bas, normalement, il y a un chemin. Oh mon Dieu. Encore un alite. Voilà. Encore un cadeau, des lanières. Tu m'étonnes. Alors, il y a un petit pont par là, normalement. Voilà le pont. Ok. Et en fait, il faut que je suive la route, mais vers la droite. Lorsque j'ai lu la carte. Ça va, vous arrivez à suivre mes péripéties? Oui, visiblement, oui. Ouais, ouais. Oui. Ouf. Je suis rassuré. Allure. Je crois qu'il faille... Il y a un oratoire à droite, si vous voulez le débloquer. Un oratoire à droite. Oui, effectivement. Juste là. Oh, bah j'ai gagné des récompenses grâce à vous. Mais voilà. Merci. Alors, attendez, récompenses. Niveau 7. Oh, Vincent, élixir survivant rapide de la Côte d'Or. Et c'est voué. Allez, cette fois-ci, je misais un peu dans la santé. Pour changer. Histoire d'équilibrer un peu le personnage. Oui, bah les... Oui, non, on verra plus tard les trucs là. Alors. Le juge écarlate. Ah, il faudrait que je lui parle apparemment. À gauche. Parfait. Qui est quoi à gauche? Non, c'est pour aller à ton point, il faudra aller vers la gauche. Après. Oui, donc là on continue sur la route. Vivez le guide. J'ai découvert Suran. Ça devient ridicule. Désolé, Dylenra, mais mon épouse insiste pour que nous essayions avec un rêve. Alors, Suran, je vous avoue que je m'en souviens plus de cette ville. Là, pour moi, il n'y a rien qui m'arrive en mémoire. Attendez, je suis perturbé par le... Oui, attends, on peut traverser la ville. Mon Dieu. Mais attends, là, je vais vers le manoir. Mais non, je vais vers le temple. C'est pas le temple que je veux, c'est aller au-delà de la ville. On est un peu à côté, là. Je le crains. C'est magnifique, hein. Mais... Ah si, il y a une voie à l'arrière.
Il y a un escalier, ça va, c'est son malin. Il y a possibilité de poursuivre sa route. Enfin, j'espère. Si. On peut littéralement traverser la ville, ça me rassure. Ok. Tac. On y croit, on est en bonne voie. C'est incroyable. Après, ouais, il faut suivre le chemin, je crois. Hein? Ouais. Là, pour le moment, oui. Bon, allez, un petit Alix pour la route. Alix, c'est dans Half-Life. Et chez la gente, je serais malheureux. Ah, alors. Mais là, je prends 11, blablabla. Bon, merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Etchmal. Qui c'est que ce truc? Alors, laissez-moi relire ma carte, je vous prie. On ne doit plus être très loin. Ah si, on est encore très très loin. Ouais, en fait, ouais, il faut suivre le grand chemin et après on bifurque sur la droite. Exactement. Voyage. Loin que la nuit et le jour. Voyage. Oh, tu peux récupérer une mouche chercheuse. C'est un ingrédient d'alchimie. Oui, je veux prendre. Je ne refuse pas. Mouche chercheuse ici aussi. Mm. Oui, mais après, ça sert aussi pour... la pêche en plus. Ah oui, tiens, la pêche j'ai pas encore expérimenté, viendra un jour. Attendez, la grande route. Oh, j'ai hâte de faire ma première ruine d'Izemer. Oh, mais t'es ruinite, dis donc. Oh, j'entends que vous vous battez. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un truc qui nous a attaqué. Oh merde, c'était un chien d'Enix. Ah, bien vu. Oula, oui, attends, ton retard en plein combat avec un autre chien. Voilà. Merci. Ouais, moi je t'en prie. Alors attends, faut pas que je m'éloigne de la grande route. Encore un chien de Nyx. Oh merde. Ah oui, forcément, il va y en avoir après moi. Aïe, il fait mal le salopard. Merci du coup de main. Oh, de la lave, c'est la première fois que j'envoie fusion. Ça approche vraiment du monde écarlate. Alors. T'as vu, t'as le volcan aussi un peu plus loin. Ouais. Merde, on n'a pas pris la bonne route. Attends, faut qu'on retourne face. On a bifurqué. Oui, par erreur. Attendez, non mais si on va en face, on va revenir dans le petit chemin qui va permettre de revenir sur le grand chemin. Exactement ça. Alors, allez, vas-y. Ça va, vous arrivez à suivre? Ouais. C'est cool. Voilà, normalement c'est ça. Ah oui, les cendres du mont écarlate. C'est horrible, mais ça m'est familier. Mais oui, j'ai perdu. Ah bon, merde. Tu nous as perdu? Attendez, je bouge plus. Il y a un braillard des falaises qui nous survole. Merde, je me fais attaquer par un... Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Qu'est-ce que ce truc? C'est quoi ce truc? C'est une espèce de grand crabe. C'est un grand chalk. D'accord. C'est une espèce de scarabée. Attendez, je vois... Oh mon dieu, il y a des... Oh là là, des chevaliers en destrier, c'est... Ouh, ton retard, on est là! On est pas loin, hein. Regarde, je tire de la glace en ta direction. Si ça te jette un froid, voilà. C'est normal. Ma glace, il sent. Déjà l'ai. Oh mon dieu. Oh là là. Si tu veux, tu as une fleur d'absinthe ici, là où je suis. Oh. Juste là, à côté de l'arbre. Merci. Fais-nous faire une petite boisson, le sage. C'est pas faux. D'ailleurs, tu rigoles, mais je vais faire ça en vrai, tu as raison, j'ai pas bu depuis que je me suis lancé dans Spell Lucky tout à l'heure. Ah oui. Oh.
pierre unique, si tu veux. Avec plaisir. Merci bien. Okota, d'accord. Si t'en veux des pierres uniques, j'en ai. Ça me sert pas du tout. En fait, les pierres uniques, t'en fais quoi? T'en fais des enchantements. Ah, les enchantements. Ouais, c'est l'arbre d'enchantement des pierres uniques. Alors là, je suis bestiaire. Attends, je crois qu'il faut aller quelque part par là, mais je commence à me perdre. Ouh, j'ai l'impression de voir d'une in-route. C'est moi ou je vois d'une in-route en face? C'est d'une in-route, c'est obligé. Mais oui! Enfin, ils appellent ça d'une in-rave, mais ça va être l'ancêtre de la in-route. Ah, ce végétal mystique. Qui est très puissant en alchimie, d'ailleurs. Alors, la carte, on devrait plus être très loin. Si, si, on est toujours très loin. Non, mais c'est un bordel sans nom. C'est merveilleux. On peut aller à gauche pour faire l'oratoire. Tu le vois sur ta carte. Il y a un oratoire, oui. Je suis complètement perdu. Attendez, on va. Et coucou Nashavman, bisous. Ah, bonjour Nash. Le Schmolurk. Ouais, il va se reposer. Il fait juste un petit coucou rapide. Mm-hmm. Bah, bon repos, repos à toi. Nash. Soir ancestral aussi, si tu veux. Oui, attends, j'ai un mix qui est en train de continuer. Ah oui. Oui, il est juste. Effectivement, je te l'accorde. Bien vu. Moi, je suis le libre. Oh. Plaisir. Alors, effectivement, ce serait en hop plein là. Voilà, dur même. Oh, c'est cool. Mon dieu. Mais oui, mais c'est Zwemer, ça. Voilà. Attends, mais comment je fais pour rejoindre la route? Faut que je lise la carte, là, je deviens fou. Non, demi-tour, si... faut pas que j'aille là. Si je pose un repère, tu le vois ou pas? J'ai posé un repère sur la carte. Attends, je vais regarder ma carte. Est-ce que je vois pas ton si tu... repère à toi? Oh, tu le verras, moi non. Je l'ai pas. Non, ah, tu l'as pas? Non, c'est mais individuel. Que le sais-je. C'est individuel. Alors, attendez, la route ouais, est c'est là. Un truc, C'est pas évident de distinguer le chemin du restant de la cambrousse. C'est pas si clair que ça. Hein. Là, j'ai encore un grand calme de mes deux, là. Un chalque, je prononce là. Aïe 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 aïe, il m'a volé ça va faire. Ouais, bien joué, merci. Pourquoi il dit que j'ai feu aux fesses? Bizarre. Peut-être un restant de brûlure du chalque. Oh, faut pas que je bouge trop vite, mais je voulais plus suivre. Vas-y, on est là. La route, la route, la route, là. Tiens, ça j'ai pas ça. L'oratoire, vous direz. Hop. Toc. Mais attends, après, là, vu où on est, on continue, oui. Toujours tout droit, la crème. Attends, le chemin il est où là? C'est quoi? C'est... Non, mais non, attendez. Si, c'est ça le chemin? Si, si. Mais... Oh mon dieu. Ah bah, l'aventure, c'est l'aventure. Moi, je vois du pays et je déverrouille des trucs, donc c'est pas plus mal. Mais fiche. Ah bah oui. Tu en auras tellement à découvrir. Ça c'est rien. T'inquiète pas. Rien que le fait que dans mes prochaines séances de jeu, je redécouvre tout Vatverfield, c'est-à-dire l'île de Morrowind, ça sera déjà énorme. Alors les autres contrées, wouh. Je comprends pourquoi il y en a qui se sapent dans le jeu et qui passent leur journée. Il y a de quoi, franchement, vu la richesse du machin. Là, je crois que c'est, ouais, c'est par là pour revenir, je crois. Ouais, ouais, faut aller là, exact. Quoi? Mouche chercheuse, saut de cendre. Il y a des noms de bestioles. Mmh. Ah, ça c'est inoffensif. Je peux récolter pour les chimies. Morceau d'insecte à pas de rivière. Mouche chercheuse. Vous êtes là. Ok. Mmh. Ah ouais, tout est calciné par ici. Et encore, on est loin du cœur de... Oh là là, il y a une bande de chiens d'Onyx. Il y a un trio, là.
Oh, Christelle a même pas peur à 8 heures. Oh bah oui, j'ai mon ours. Ah, il m'a touché l'empirique. Oh, tout. Ouais, bon, c'est vrai que moi aussi. Ah, bien joué. Attendez, la route, elle est là. Alors, voyons. Ouais, il faut pas perdre de vue les bornes. Vous pouvez fouiller les paniers, vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui pourrait intéresser. Tricassé de bœuf à l'ail. Miriam. Oh mon dieu, il y a des trucs à droite et à gauche, c'est la folie. Mouche chercheuse encore, je chip. Oh là 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 là. Attends, on a perdu le zage ou... Oh merde, je suis allé trop vite. Pourtant, je suis aussi sur la route. Ouais. Oui, attends, c'est nous qui sommes restés plantés, en fait. Je suis là-bas. Ah ouais, ma portée est limitée au niveau de mes boules de glace. Alors, si vous voyez des éclats de glace au-dessus de la route, c'est... Voilà, vous arrivez sur ma position. Attends, là. Déjà, la route est là. Ah oui. Okay. La route est là. Je bouge, bon, plus, bon, je vous attends. Je vois ta barre, c'est bon. C'est bon, je vois les boules. Ah bah, content de vous revoir, les copains. La suite est par ici. Enfin, je crois. Attends, faut affronter le grand chien de Nyx, là. Non, ah non, 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 c'est là. Pas par là. Demi-tour, 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 on entend se fourvoyer. C'est par ici, c'est par ici. Je me disais aussi. Alors attends, là il y a deux chemins, ça bifurque. Il faut que je continue tout droit. Là où je regarde. Ok. Ah. On n'est plus très loin, là on y croit. Enfin, je vais faire cette grande quête. Voilà, on découvre de ces trucs, c'est affolant. Oh ! Couche. Sacré bestiole. Ah d'accord, bon bah tu la fous. Le grand chat. Oh mais il peut m'attaquer, moi je... J'ai une bonne armure donc... Je la tire et puis vous le finissez si vous voulez. Alors les petites mouches... Bah mince, j'ai pas réussi à prendre le résidu de l'insecte. Voilà. Il y aura un cristal pas loin. Ouais, j'y suis, ouais. Bien vu. Waouh. C'est impressionnant. À mon tour. Deux sur trois. Alors, la quête est toute proche. Mais où est l'entrée de la mine? Cherchons une entrée de mine. Ah, alors là il faut... Là on peut sortir du sentier là. Mais reste à savoir par où. Alors, là-bas était pas idiot. La mine elle est... En... Il faut aller à droite. Elle est en fait derrière la montagne. Donc il va falloir essayer d'aller vers la gauche. Oh, ouais, j'adore quand tu dis essayer. Mais je suis effectivement. Ah oui, une petite veine. Quelqu'un s'en sert, bah tu m'étonnes. Mais si tu le veux, vas-y, je te le laisse. C'est cadeau. Ah, c'est gentil. Mais qui? Taper sur des cailloux. Poussière de platine et poussière de... Oh mon dieu, merci. Ah, je vous vois un compte. Il y a des pyruniques ici aussi. À ta gauche. Non, tu m'as fait gauche. Attendez, oh là là. Je me... Ah oui, exact, merci. J'étais parti pour me faire un 360 là dans la panique. Oh, surtout que là, c'est des runes que j'ai jamais eues. Laquelle merci. T'as eu? Je vais apprendre des choses. Du lin aussi.
Un chien d'Onyx. On l'a vu avec Estella. Ça va l'aider. Voilà, il avait 4 fers en l'air, on a gagné. Ah, bah oui. Tu m'étonnes. Oula, oula, oula. Ça bastonne, ça bastonne. Ouais. Look. Ibi. Ah là, il y a encore un autre oratoire sur la gauche après. Sérieux? Attends, je suis dans le tas, je vais essayer de trouver une voie. Si tu veux découvrir d'abord l'oratoire, tu peux, hein. Y a pas de soucis. J'ai le temps donc. Hop. Voilà. Ah, attends, il y a une porte là, mais ça correspond pas. Le tombeau ancestral Island. Oh, il y a un truc là. 36 leçons. Attendez, citoyens. Ah oui, effectivement. Donc après, ouais, on peut y aller peut-être par là-bas. Et ça serait plus par la deux. Je crois. Oh là là, j'ai retrouvé, c'est la folie. Oui. Oh. Ah non, je peux pas cueillir, dommage, c'était beau. Ah c'est bon. Je peux faire ça. Tac. Oui, vous me suivez? Parce que je pense que j'ai trouvé la voie, moi. Moi, ouais. Ah oui, on a à peu près le même chemin. Bon, je fais ça un peu plus bas. Mais... Et il faut le taper, c'est un ennemi, ça. Oh, voilà. Merde. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Sac à dos. Si quelqu'un, enfin moi je dans le sac à dos j'ai une formule, donc s'il y a... Alors pèlerin, ce pèlerin est mort récemment, mais hormis la plaie déchiquetée de son abdomen et quelques morsures, le cadavre est intact. Les altés défunts a peut-être chassé la créature avant qu'elle ne puisse finir son repas. Oh, terrible scène de crime. Exalté. Cette exaltée semble être morte en défendant le pèlerin étendu à ses côtés. Son casque est éclaboussé d'une sanie gluante qui sent le vieux poisson. Vous pouvez fouiller le sac à dos. Le coupable, c'est le vieux Coraya. Très grossier silex. Je pense que c'est plus par la... Ouais. Là, il y a des constructions là. Ah oui, c'est... Oui. Ah oui, d'accord, c'est une mine mécanique. Ça marche, je... Ah oh, oui, je me rappelle, j'ai fait une mission avec ce truc là. Et... Oui, c'est pas vraiment une, ça. Elles sont terribles. Tiens, ici, enfin, moi j'ai soin ancestral, mais peut-être que tu auras autre chose là où je suis. Moi je vois du lin. T'as du lin, d'accord. C'est du lin, oui. Moi j'ai le droit à de la jute brute. Épée, sable. Pas besoin, il y a un livre ici. Ah oui, les dieux vivants. Bon, je les lirai une autre fois, hein. Je vais pas vous faire. C'est pas grave, je l'ai mémorisé. Je vais pas vous faire attendre. Attendez. L'entrée n'est pas là. Ah, ben elle doit être juste un peu plus haute. Disons qu'on est un peu coincé. On va remonter. Oui, observons le relief. Oh, là, il y a une roche à creuser. Une veine d'étain. Incroyable. Hop là, il va... Vous avez la montée juste à votre. À ta gauche, le sage et Christophe, ah oui, c'est la première fois, voilà. Ça va, t'arrives à suivre? Ouais, t'es derrière. Oh mon dieu! Ah! C'est ça que je veux en compagnon! Ou je crois, ah ouais, Sentinelle de Zemmer. Ouais, bah, Sentinelle de Zemmer. Pas exactement comme ça, mais on s'en approche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je les adore. Bah voilà, c'est un arquebuse.
Voilà, j'adorerais avoir ça comme compagnon de route. L'archibus, trop bien. Un volet. Oula. Oula là. J'adore les ruines de mer. Alors, attends, où est la porte? Non, c'est encore plus haut. Non, sérieux? Attendez. Hop là, voilà, j'ai changé de compagnon. Oui, oui. C'est la petite araignée là qui me suit. Attends. Ah oui! Amalia. Attendez. La porte, où est la porte? C'est encore plus haut. Je crois. Et donc, ouais, effectivement, il est en bas. Tiens, oh non, c'est... on aurait pu croire que c'était une trappe d'égout, mais non. Est-ce que par là on peut monter? Qu'est-ce que. Couper de l'érable? Non, sérieux? C'est trop haut. Ah, j'ai coupé un. Oh mon dieu, j'ai fait de la. J'ai fait mon bouchon. Je te passe. T'es passé? Moi, oui. Après. Ah oui. Bon, un petit peu forcé en sautant pas... que c'était là, mais ça passe. Ah ouais, c'est bon, ouais. Ouais, mais ça nous mène à strictement rien. Bah, ça me semblait pas très officiel comme chemin. Attendez, la porte du truc est où? Ça devrait être indiqué sur la carte de Chenoufou. Mais oui, on s'écarte là. En fait, ouais, elle est. On s'écarte complètement, les copains, on s'est planté. Allez, hop. On rebouche chemin, attendez. Ah, mais voilà. GG à moi. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Une chute un peu trop haute. Oh merde. Attendez, que dit la carte? On est où là? Oui, mais tu vas être à l'oratoire, non? Ah, mais c'est non, pas. J'ai... Pardon. On s'est hypnotisé par la rune Zwemer, mais c'est pas du tout la rune Zwemer, c'est au-delà de la montagne. On devrait pas être là en fait. Ouais, non, mais venu par là. On s'est fourvoyé, les copains, une fois de plus. Si tu dézoomes un peu ta carte, oui, avec ta molette, toc toc toc. Oui, je verrai sûrement des choses, c'est sûr. Là, il y a peut-être. Non, il n'y a pas un passage par là. Mais... Non, faut contourner le récif. Faut contourner le récif. Attendez. On va le jeu. Tiens, t'as des runes ici si tu veux. Attendez, là je contourne vraiment le. Est-ce que ça vous dit un petit boss? Il y en a un qui est juste devant moi là, tout beau. Petit boss? Ouais. Toi aussi, tu aimes les petits boss. Juste derrière vous là. Mais merde, mais c'est pas possible. Comment je fais pour m'y perdre moi? Ah oui. C'est une hérésie ce. Attendez, il y a ça. Ah mais il est tout mini. Attends, mon ancestral des Shukinyaki là, bon bref. Chien le Nyx, ça va mourir. Voilà. Bon, c'était pas bien compliqué. L'étreinte hivernale améliorée, je cours en lice. Eh oui, je deviens bon dans l'expertise des glaçons. Tu vas pouvoir nous faire une super boisson glacée. C'est ça. Pour m'inviter à l'heure de l'apéro, j'offre les glaçons. Wow! Oui, dans ce sens-là, le chemin est vertigineux. Ah oui. Ouais, par là, tout droit. On va y arriver, faut pas désespérer. Mais le relief est traître. Encore un chien de Nyx. Allez, vilaine bête, va mourir, vilaine bête. Non, t'as cité les portes. Voodoo.
corps végétal. Je sais pas si vous me suivez. Non, j'ai pas l'impression. On te voit. Ouais, ouais. On est là, on est là. D'accord. Parce que j'allais dire, au pire, je crois que vous pouvez me téléporter à côté de moi. Sauf que là, c'est chaud pour y arriver quand même. Toute la, toutes les montagnes qui est autour de nous. Ouais. C'est balèze. Ah, il y a une échelle. Ouf, il envoie pas mal du coup. Ah, c'est bien, il est mort, bien joué. Hop, carapace. Il y a du lin, il y a de la pierre unique ici. De la pierre unique. Juste en haut. Mais merde, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? On est prisonnier de la montagne en fait. C'est pour ça qu'on tourne autour de. Il faudrait s'efforcer de rejoindre la partie rivage presque. C'est pas possible ce relief de fou furieux. Il va nous faire en fait, tourner aurait... en bourrique encore longtemps. Merde, mais la carte est... En fait, il aurait fallu à l'oratoire qu'on suive peut-être un cours d'eau et qu'on fasse tout un tour. Mmh. Ça, là-dessus, c'est vrai que c'est pas instinctif. Oh, pierre unique, magnifique. C'est pour moi. Oh oui. Chocher de grouiller, fouineur confirmé. Ouais. Alors, effectivement, il faudrait qu'on descende à l'oratoire qui est juste en dessous. Mmh. L'oratoire de Molag. Mmh. On peut, si vous vous pouvez dépenser 146, on peut y aller directement en faisant comme ça. Et oh bah tiens, je parle des acronaques de feu, j'en vois. Ça se corse. Mais oui, mais ça pourrait presque me donner accès à... Attends, c'est bon. Ah non, c'est des galopins. Oui. Non, derrière il y a des acronaques de feu, oui, ça fait. Merde, je me suis fait repérer. Oula, oula, oula. Oh mon dieu. Ah, lui, j'ai un truc à récolter sur sa dépouille. Arc. Oh, mon premier arc. Oula, mais il y a du monde, là. Ouais, il y a de la populace... Astronage de... Allez, let's go, vas-y. Génial, j'ai un bloc d'interface. Ah, au moment où je peux faire le chat. Ouille. C'est un peu fait boum. Bon, allez, vas-y, je vais attirer tout le monde. Viens des messieurs. Allez, toi aussi, tu viens. Ah, ben non, d'accord. Ils veulent pas me voir. Ouh là là, le luxe. J'arrive. C'est stylé, hein. Moi, je vais te le refroidir, moi, ton être avec de feu. Bien joué. Alors. Oh, ça rappelle les antres presque de dragon. Qu'est-ce que. Un boss, vas-y, allez, let's go. Encore un boss? Un petit boss, oui, c'est un petit lézard. C'est mon cousin, mais bon, celui-là, je vais détester. C'est un caractère de cochon. C'est surtout du piquant. Ouais. Il m'a bousillé tous mes fauteuils, toutes mes chaises, c'est bon. Bon, on est où là en fait? Oui, on est en plein cœur de. Pourquoi je peux pas aller sur l'autre côté? C'est fou ça. Peut-être qu'on aille peut-être sur la côte et qu'on longe toute la côte en fait. Non, mais j'ai peur que t'aies raison. Ah bah tiens, j'ai accès au truc. C'est dangereux. J'ai pas encore les niveaux. Quelque chose qu'on peut faire. Je vais voir par là. Ouais. Faudrait qu'on tourne à droite et encore à droite. Parce qu'on est à mi-chemin. Donc du coup, soit. L'oratoire ou à l'autre. C'est un malheureux constat, mais c'est tout sauf évident. Merci à vous bah de m'accompagner, ouais, parce que je serais complètement largué. Il y a des endroits où il faut vraiment chercher. Allez, let's go. Hop là. La 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 la. Tu évitais de courir trop vite. Non, ça va, je te suis.
Bah, attention, araignée. Qui saute. Ah, c'est le buff. Le buff bourguignon. Les Donc après, je suis au retard. Qu'est-ce que. C'était quoi ça? Ah mon dieu! Oh là, d'accord, c'est des joueurs, il est. Waouh! Il faut vraiment s'accrocher en se disant on peut voir de tout! C'est la folie ce jeu! Donc là, qu'est-ce qu'il y a ici? Du frangot. Est-ce que ça peut m'emporter? Non, pas du tout. Ah, de l'érable. De l'érable qui m'apporte du frêne roux brut. Encore du lin, encore une pierre thermique. Ah oui, magnifique. La lumière sage. Vous avez assez d'argent pour faire d'autres places pour votre inventaire, par exemple. Ben moi, ça va. Je me suis acheté jusqu'à 100 emplacements et actuellement j'ai 3000 pièces d'or et quelques. Et toi, Christella, tu as quoi? Moi, pour l'instant, j'ai 121 emplacements dans le dans l'inventaire. Pour l'instant, 121. Ça va. Donc, charrette. Tombeau ancestral. Ah, effectivement, il y a plus de verdure là. Ok. Tombeau ancestral, des poupées. Ah, voilà, là, je pense que peut-être on peut y accéder. On retourne enfin la montagne, grâce à Torota. Merci. Donc, on va faire ça. Oui, là, on est moins sous le joug de descendre du mont Écarlate. Puisque vous voyez que la végétation est plus généreuse ici. Je vais faire ça, je fais ça, je fais ça. Ça. Et on va faire ça. Voilà. C'est bon, normalement vous avez reçu. Ah, mais qui ? Oula. Ah, je suis tout proche. J'ai trouvé. Ah, cool. Je bouge plus, je suis sur place. Ouf. Mais c'est quoi ça? Oui, il y a du monde là. Ouh, des tireurs de précision, c'est quoi ça? Eh bah, tu m'étonnes que c'était la galère pour trouver. Non. C'était le mauvais flanc de montagne. Hop, il y a un coffre. Ah, alors attends, c'est juste qu'il y en a un qui est caché derrière le champignon là. On touche pas au nounours. Bon, je vais essayer le coffre. Ah, il est niveau avancé. Toutes les pièces jointes. Et voilà. Toutes les pièces jaunes et prends toutes les pièces jaunes. Alors, réponds. Ah, ça y est, ça commence, j'ai plus de place. Attends, il y a des trucs qui font. Merci! Alors, c'est tout, les ingrédients de je sais pas quoi tout à l'heure j'avais. Friand, la sauce tomate. 50 000 dents! Wouh! Merci pour cette énorme générosité! Ah, c'est là. Eh bien, ninja, ninja. Comme je fais vraiment beaucoup de ventes, donc du coup. Ah oui, merci. J'essaie d'en faire aussi pour profiter un petit peu des autres.
j'étais le pauvre du groupe. Bon, non, faut pas dire ça. La, 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 non, mais c'est juste pour vous faciliter un petit peu le... Oui, l'expérience, oui, merci, oui, oui, tu m'étonnes, ça va plus vite. Bah alors, qu'est-ce que tu patates Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon dieu? Moi, c'est bon, il y avait quelques méchants. Je vois ça. Voilà, c'est la prochaine à droite. Alors, il faut que Sarah, je parle. Attendez, un instant. Ah non, pas elle. Parce qu'elle fait pas partie de la quête. Non, non, c'est encore une autre quête. Oui. En fait, la quête que tu viens de voir, c'est la quête qui est pour le donjon. Oh mon dieu! Quand tu es dans oh le... Oh bah vas-y, moi je cherche. Dans le donjon. Allez, hop! Voilà. Hop, il y a des sacs à fouiller. Waouh, oui, il y a de ces trucs. Oh, mille feuilles. Mon dieu, il y en a des choses. Sac de farine, farine. Bonjour, monsieur. Du ginkgo. Ouf. Où est parti, Dorota? Ah, il est là-bas. Juste là. En fait, il faut qu'on... Ah, il faut qu'on prenne un œuf. Oh, ok. Tout ça pour prendre un œuf. Et comme il y a ce donjon là, je pense qu'on va trouver un petit boss intéressant. Alors, aussi. Note de recherche. Après de nombreux revers professionnels, je pense avoir trouvé ma vocation, l'élevage de Kawo, de Kuama. Mais cette terre inconnue est riche de possibilités. On y trouve des méthodes scientifiques. Ah oui, il y a ton micro qui coupe le sage encore. Mais oui. Et des techniques sont soit ineptes, soit lentes. Ma race de Kuama doit être plus forte, plus saine et plus résistante. Avec mon intelligence, j'entreprends de créer ce qui sera en l'effet en une toute nouvelle race, un Kuama supérieur que Vardenfield n'en a jamais vu. Pour monter. Non. J'ai installé mes recherches dans les mines à eux de Matusakin, de la vie de maison que Alu. Ils accepteront ma proposition si elle promet de les enrichir encore. Pour ma part, l'argent ne m'intéresse pas. L'or est facile à trouver. C'est une tradition que je compte établir. On se rappellera. Si tu peux continuer à lire, il ne se passe strictement rien. Avec émerveillement, lorsque j'aurai achevé mes recherches. Oui, je vois que ça devient rouge et que je me prends des retours de baston là. Excusez-moi. Ah, une archère. Qu'est-ce qu'il fout là, celle-là? Oula, 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 où il va, lui? J'y suis juste devant et je l'avais cherché derrière. Aïe, merci. Ah, mon dieu. 4 en or, une masse d'armes en fer. J'arrête de prendre des trucs, j'ai plus de place encore. Bon, bon allez. Bon. Oh là. Oh du oui. Un coin ouvrier. Lalalala. Ah, déjà un skill. Wow. J'ai de la gelée de scribe. Cool. Moi-même. Ouais, j'ai réussi à en récolter. Hop, t'as un écrit ici si tu veux. Ah, volontiers. Merci. À la suite. Alors, mes employeurs actuels ont cru bon attacher une laisse à mon cou. Elle prend la forme de Ridena Devani. Cette prétendue naturaliste substamirielique ne voit que danger là où je vois l'innovation. Elle se retranche derrière la morale et l'éthique comme un enfant se cache derrière les jupes de sa mère. Elle a déjà décidé d'entraver mes progrès. Je vais devoir trouver un moyen de protéger mes recherches et mes sujets qui évoluent déjà. Mes sujets, qui sont prometteurs. En combinant des méthodes de reproduction ordinaires et mes créations alchimiques, ils sont devenus plus vigoureux et déterminés que d'autres Kuama. Malheureusement, cela s'accompagne d'une agressivité accrue, mais rien n'est jamais parfait. J'ai développé une odeur
pour les travailleurs et moi afin de les calmer. Mais Zevani s'inquiète encore qu'ils ne deviennent trop violents. Il fera du morse avec son micro. Attendez, excusez-moi. Je vais devoir trouver un moyen de faire taire tôt ou tard. Mon micro ? Oui, ton micro, il coupe encore. Oh, mais c'est pas croyable, ça. Merci de me le signaler. C'est pour ça que je m'amusais à dire que la prochaine fois, tu fais une émission spéciale morse. Effectivement. Attendez, je vais me reconnecter, je vais revenir. Bougez pas. Voilà, faut que je rafraîchisse. J'avais vu ce matin aussi Seps ou Starbound. Je suis désolé, petit souci technique. Bougez pas. Bah d'ailleurs, je vais faire une pause dans le strumant et puis reprendre après.